Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, en compagnie ce soir de Audrey Georges, on va discuter justement de ce qu'elle propose. Je la laisserai s'auto-présenter tout à l'heure. En attendant, je vous dis le programme de la semaine prochaine, que pour lundi, parce qu'il y a quelques changements. On sera avec Aline Peugeot le 25 mars 2019 à 20h30, du chaos à l'éveil. On parlera de son parcours et de sa médiumnité aussi, qui s'est révélée tout au long de sa vie. On en reparlera après. Pour le moment, ben voilà, je suis toujours le Vulcain, hein, que vous connaissez, vous commencez à être habitué. On va aussi parler, je remercie par la même occasion les donateurs de la chaîne et j'en profite pour leur dire que vous pouvez toujours soutenir pour ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent aussi, hein, vous ne me mettez pas en danger, surtout ne donnez que si vous pouvez et si vous pensez que je le mérite et que ces émissions vous apportent quelque chose. Et pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site internet. Vous pouvez faire un soin mensuel ici, enfin un soin. Un soin, oui, ça va me soigner aussi, mais vous pouvez choisir un soutien mensuel ou alors un soutien ponctuel. Pour ceux, et si vous voulez ne pas vous engager mensuellement et de manière récurrente, je peux le comprendre. C'est pour ça que j'ai mis en place la fonction en fait ponctuelle. Voilà qui est dit. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour peut-être, comme d'habitude, avec le style qui m'est propre, c'est casser les idées reçues et briser en fait les carcans, l'image que l'on peut avoir de ce que la personne fait, le thérapeute qui vient. En l'occurrence ce soir, Audrey, je vais laisser présenter ce que tu fais en fait. Voilà, qu'est-ce que tu proposes ? Waouh, qu'est-ce que je fais ? Tadam ! Tadam, roulement de tambour. Alors, donc, je fais de la psychothérapie, mm-hmm. et pour cela, j'utilise plusieurs méthodes. Mm-hmm. Vraiment, d'un point de vue analytique, je vais utiliser trois méthodes qui sont, je vais y aller doucement, mm-hmm. les cycles mémorisés, c'est-à-dire qu'une personne arrive avec une difficulté à l'heure actuelle, et je lui permets de comprendre, de prendre conscience que cette difficulté s'est déjà présentée dans le passé. D'accord, c'est pas nouveau quoi ça. C'est pas nouveau, d'accord. Et en fait les cycles mémorisés c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un timing. D'accord. Ça sonne quoi, c'est vraiment on peut le suivre quoi. D'accord, donc c'est quelque chose qui, bon, comme on dit souvent pour ceux qui suivent dans cette émission, ça, quand on résout pas une problématique, elle nous est resservie toujours un peu plus épicée en quelque sorte, non? Alors, c'est peut-être un raccourci, mais... C'est possible sur le un peu plus épicé. Moi, ce que j'aime à dire, c'est... voilà, c'est pas juste pour nous embêter. Mmh. C'est vraiment, il y a une blessure qui tend à être vue, entendue et reconnue. Une partie de nous qui tend à être enfin retrouvée. Et c'est d'accord. En ça que c'est plus positif pour moi. Voilà, parce que si c'était juste une récurrence, pour une récurrence... oui. Voilà, chouette, ouais. Cool. Alors, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat de YouTube ou de Facebook, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir de les relier. Et évidemment, Audrey se fera un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible si c'est des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Je le répète tous les soirs, mais c'est important de le dire. Osez le faire parce qu'on est là pour ça. Les émissions existent pour cela. Alors, comme je te dis tout à l'heure, Audrey, on va casser peut-être les idées reçues. Donc, psychothérapie. Psychanalyste, psychiatre, psychothérapeute, quelles sont les différences en fait ? C'est des appellations qui quoi ? Qui fait quoi ? Oui. Formation je note, médicale. Hein, faites comme moi. Alors, psychiatre, c'est. Une formation médicale. D'accord. Avec une spécialisation dans la psychiatrie. D'accord. Qui ont pour première mission, selon ce que je sais, hein, tout ce que je vais dire ce soir au passage, c'est ce que je pense, sais, je ferai de mon mieux, mais je n'ai pas du tout la science infuse. Et donc, le premier but, c'est de donner un diagnostic à une personne, et tout psychiatre n'est pas forcément formé pour accompagner une personne. Voilà. Je dis ça parce que souvent on dit « Ah ouais, j'ai vu un psychiatre, mais il ne m'a pas aidé. » Mais il faut savoir qu'il y a certains psychiatres, ce n'est pas leur mission première, en fait. D'accord, donc, ils vont poser le diagnostic, ils vont dire « Bon, voilà, c'est ça, et puis point. » Ils laissent au sbire le reste, c'est ça ? Ils ne s'occupent pas, ils ne traitent pas derrière. Eh bien, il y a un accompagnement médicalisé, en fait. Ah oui, d'accord, donc, eux, ok. Ils posent ça. D'accord, voilà. ok. D'accord, avec une spécialisation qui et peut ils être, peuvent, par exemple... en général, moi, en tout du moins, les personnes qui sont venues me voir... Et où il y a un psychiatre qui les accompagnait, il disait de se réorienter sur un psychologue ou un autre praticien.
D'accord. Voilà. Alors ça, c'est le psychiatre. Ok. Psychiatre. On le voit. Ça, c'est donc exclusivement dans les hôpitaux, alors. Dans le milieu médical ou des cliniques. Je pense qu'il existe en libéral. En libéral aussi. Okay. Je pense. Hein. Ok. Voilà, on a vu pour psychiatre. Psychologue. Non, bon. Psychologue. Alors. Psychologue. Alors. Formation en 5 ans avec une spécialisation donc en faculté, universitaire. Voilà. Pas grand chose à dire. Psychanalyste, il faut avoir été psychanalysé pour le devenir, c'est ça aussi? Oui, après il y a psychanalyste freudien et psychanalyste jungien, sachant qu'il n'y a qu'une école en France de jungien, si je suis bien renseignée. Oui. Et là c'est pareil, c'est une méthode en fait par le verbe, par l'association d'idées. Mmh. Et on va finir avec le psy. Et là c'est pareil, un psychanalyste n'est pas reconnu par. C'est pas un diplôme d'État. Donc quelqu'un peut acheter une plaque avec psychanalyste et l'accrocher. C'est un problème, ça, par contre. Bah, surtout que c'était, on va dire, les premiers sur l'affaire. Et finalement, au final, ils n'ont rien eu. Même s'il y a beaucoup... il y a quand même Freud qui est à la fac. On va dire, les présupposés et les hypothèses de travail sont plus souvent en psychanalyse sur le plan universitaire. On va clôturer avec les psychothérapeutes, alors, du coup. Les psychothérapeutes, en fait, ont le droit de faire de... avoir le titre de psychothérapeute, les psychiatres, les médecins et les psychologues. Et en fait, c'est des personnes qui ont tout un cursus à ce qui paraît identique au mien, sauf qu'ils ont fait un stage ensuite. D'accord. Et vu que moi, je suis psychopraticienne, j'ai fait une formation pour être psychothérapeute, mais vu que l'école dans laquelle j'étais n'était pas reconnue par l'État, puisqu'elle n'a jamais réussi à l'être... Eh ben, je ne peux pas faire un stage pour avoir le titre de psychologue. Ah d'accord, ouais, c'est plus un problème administratif qu'autre chose. C'est un nombre de psychopathologies, c'est un nombre par rapport aux méthodes. Enfin, c'est un quota. Un cursus. On a compris. Alors, on dit, moi j'ai entendu, j'ai ouï dire finalement que Freud s'est terminé en fait. On est passé à autre chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on est la fin de Freud? Moi j'avais demandé, à un moment donné, j'avais discuté, c'est vrai que le complexe d'Oedipe, ou quelle que soit la culture, quel que soit l'enfant dans le monde entier, quelle que soit l'époque, il a toujours envie de coucher avec sa mère, il s'avère que c'est très contesté aujourd'hui. Est-ce que tu confirmes ça? Par rapport au complexe de Oedipe ou tout Freud? Non, tout Freud, ouais. Est-ce que c'est la fin de Freud, finalement? Est-ce qu'on est passé à autre chose au niveau des mots de l'esprit? Pour moi, c'est quelqu'un qui a posé les bases, et après, ça c'est forcément, comme toute discipline, ça s'est amélioré. On prend, les ordinateurs, il y a eu le premier, et puis il y a ceux qui sont actuels, en fait. Et on renie pas pour autant la première machine, c'est juste qu'elle a... Il a fait son temps, donc il y a des choses après qui sont, pour moi, sont une constance, parce qu'il a quand même posé des fondations, des piliers, et d'autres choses qui par contre, on va dire, peut-être certaines méthodes vont permettre aux personnes de prendre conscience plus rapidement, et que, je ne suis pas psychanalyste, peut-être que 5 ans... de psychanalyse n'est pas nécessaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un courant plus jungien que freudien? Aujourd'hui, il n'y a pas plus des praticiens qui s'orientent plus droit? Par exemple, tu es plutôt Freud, plutôt Jung? T'es jungien, freudien? J'ai été formée à Freud, parce que j'ai fait des études universitaires avant, où j'ai vu du Freud. Moi, dans ma formation en tant que psychopraticienne, il n'y avait pas tant de Freud que ça c'est sûr. J'ai vu que des extraits autant de l'un et de l'autre, donc je peux ni me revendiquer d'une école ou d'une autre. D'accord. Après, par affinité, ce qu'on en dit, c'est que Jung, il a un côté plus spirituel, c'est un qui a popularisé l'idée d'inconscient collectif. Donc forcément, moi, c'est des synchronicités. C'est un mot que j'emploie
une fois par séance à minima, et 60 fois dans ma vie, par jour. Donc forcément, moi, c'est des choses que je vis, que je ressens, que je vois, que j'expérimente, donc forcément, là-dessus... Donc on rejoint quand même le titre de l'émission de ce soir, oui, la spiritualité oui, comme allié en transformation en psychothérapie. Donc, quelles sont les personnes qui viennent te voir généralement? Elles sont déjà volontaires, donc c'est pas facile de pousser la porte d'un thérapeute, déjà. Comment se passe le premier contact, généralement, de ton expérience à toi? Bien. Bien, oui. C'était facile. Comment ça se passe? En fait, moi, lors du premier rendez-vous, je vais reprendre les informations générales de la personne. Je vais demander ce qui lui est difficile à vivre, qu'est-ce qu'elle veut vivre à la place, et je vais lui expliquer comment je travaille et lui donner mon cadre. Voilà. Et en fait, moi, c'est est-ce que je me sens en capacité? Est-ce que au niveau de mes compétences? Est-ce qu'aussi l'affinité me semble assez... comment dire? Enfin, pas affinité, mais... Voilà, des fois, il y a des personnes, ça m'est encore jamais arrivé, mais qui sont complètement antipathiques. Donc si moi, déjà, je suis en total rejet sur la personne, je ne me vois pas comment je pourrais l'accompagner. Voilà. Est-ce que, par exemple... Et je redemande surtout à la personne si elle veut... Est-ce que... Elle aussi, elle a un a priori, on va dire positif, pas sur moi, mais sur mes méthodes. Est-ce qu'elle sent que j'ai les épaules aussi pour l'accompagner sur un temps pour en fait, parce qu'il y a un peu cette idée de faire béquille pour un temps et puis après permettre autonome. À la personne ouais, d'être autonome. Bien sûr. Mais en attendant, il faut qu'elle sente que moi je peux avoir les épaules derrière pour être présente, en fait. Bien sûr. Simplement être présente. Alors, j'ai noté un mot qui me vient comme ça, déposer leur valise. Moi, il y a une idée. On voit quelquefois des personnes qui jusqu'à ce qu'elles prennent rendez-vous, c'est souvent parce qu'elles sont en souffrance, c'est normal. Si tout irait bien, elles ne consulteraient pas. Mais lorsque le rendez-vous est pris, le jour J, il y a d'un coup une espèce de flot d'émotions qui fait où elles déposent leur valise, vraiment. C'est vraiment le poids. Elles te font ça, des fois. Tu reçois des personnes qui dès le premier rendez-vous, s'effondrent en larmes. Moi, j'ai quelques témoignages comme ça, où des personnes disent, je suis arrivé au premier rendez-vous, j'ai tout lâché. Est-ce que tu as ce genre de premier rendez-vous, on va dire, presque violent, quoi? Alors, t'as eu ce genre de cas? Bah, pour moi, c'est pas violent, dans le sens pour moi, c'est un lieu, c'est l'espace qui permet, en fait, pour les personnes qui ont contenu, ouais. Donc en fait, qui ont une petite valise comme ça, sauf qu'ils ont mis plein d'émotions dedans. Ils ont comprimé. Et bah, en fait, là, il y a une bulle d'air, donc oui, effectivement, il y a des personnes qui... Il y a un relâchement, là, ouais. Voilà, et puis après, selon certains symptômes, genre le burn-out... On a vu que les personnes, elles sont avec une sensibilité due au choc physiologique qui vient de leur arriver, qui fait qu'elles sont émotionnellement très... Puis après, ça dépend de certains aussi, simplement au caractère. Hein. Ouais, il y a des personnes qui ne pleurent jamais dans mes accompagnements. Ah oui. Je n'ai pas de... C'est pas mauvais pour autant, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais voilà. Pour autant. Hein, et puis il y a ceux, la cocotte minute dont on vient parler, qui d'un coup explose et puis dépose tout en fait. Explose l'émotion, on parle. Hein. On parle d'émotion où ils déposent leur valise. Et puis je tiens à préciser, parce que tu as dit, les personnes qui viennent avec des souffrances, parce que s'ils n'avaient pas de souffrance, ils ne viendraient pas. Moi, ce que j'aime à dire aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas forcément avec une souffrance, qui du coup... se sentent aussi presque illégitimes de venir, parce qu'en gros, ils viennent... Mais ils viennent quoi, alors tester, voir ceci? Une certaine... Moi, je dis, il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est pas moi qui le dis, je ne sais pas où j'ai pris cette phrase, mais je la trouve intéressante. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller mieux. D'accord. Et là, c'est encore une autre démarche. Je pense que c'est des types, entre guillemets, de clientèle qui sont pas... de patients qui ne sont pas les mêmes, en tout cas. En tout cas, tout du moins, moi, je peux les drainer autant l'un que l'autre. Et en fait, c'est aussi des personnes qui ont compris qu'avec un coup de pouce, en fait, des fois, on peut éviter 2 mois de galère parce que, en fait, mais tout comme moi, qui à des moments a besoin d'une aide extérieure, parce qu'un angle mort, c'est un angle mort. Et moi, j'arrive pas à le voir toute seule, donc il faut que tu sois là pour dire, ah, au fait, t'as vu, là, dans l'angle mort. Donc avoir un autre point de vue éclairé d'un professionnel pour être en mesure d'accompagner, voire de décodage. Il y a une histoire de décoder tout ça, de déchiffrer. Le principe de l'inconscient, c'est qu'on ne sait pas.
Ce n'est pas conscient. Donc, voir un truc qu'on ne sait pas qu'il est là, c'est un peu complexe tout seul. Quoi. Enfin, on a besoin de se faire aider. Donc, il y a des personnes qui, forcément, ne sont pas en souffrance, tu fais bien de corriger, et des personnes qui... Bon, celles qui sont en souffrance, on comprend, mais celles qui veulent juste... c'est quoi pour elles? Un check-up, une sorte de check-up, comme si on faisait une prise de sang pour aller voir? C'est ça, où ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, en fait, c'est, je sais pas, quelqu'un qui a plusieurs atouts, sauf sur une situation, je sais pas, une relation amoureuse, où elle voit bien quand même qu'elle est dans quelque chose un peu répétitif. Voilà, c'est pas pour autant la relation est pas en train de capoter, mais elle est pas pour autant voilà, personne sent que il pourrait y avoir un aspect plus intéressant à la relation. Donc, hop, là, un petit coup de pouce qui permet de voir, bah, tiens, qu'est-ce qui peut se passer là. Et après, hein, comme je dis, c'est la réalité qui permet de savoir si effectivement ça va mieux ou si c'est comme avant ou pire. Alors, tu parlais tout à l'heure en présentant en quelques mots ta spécificité. J'ai présenté qu'un, hein. J'en ai plein. Oui, j'imagine. Mais tu parlais de ces cas cycliques qui reviennent, hein, va dire. Hein. Moi, j'ai parlé de casseroles qui venait à nous de manière à ce qu'elle nous soit resservie jusqu'à ce qu'on résolve la problématique. Elles sont de quel type pour toi? On parle des fois de transgénérationnel lorsqu'une problématique revient sans cesse. Tu la mets à quel niveau toi? Est-ce que pour toi c'est transgénérationnel ou c'est autre chose? Donc dans ces fameux cycles, vous savez, moi ça me permet de reprendre avant. Je t'en prie. Il faut bien une porte d'entrée. Pour moi, la porte d'entrée au niveau de chaque être humain, c'est le moment de l'incarnation. Et quoi de mieux qu'une incarnation que la naissance. D'accord. Et donc, pour moi, en fait, même si c'est transgénérationnel, même si pour certains qui ont des sensibilités avec les empreintes karmiques, il y a forcément un moment donné où c'est réactivé dans nos vies. Et la porte d'entrée pour un être humain, c'est jusqu'à présent la naissance. Même Jésus. D'accord. Blague à part. D'accord. Et du coup, en fait, à ce moment-là, l'embryon, le fœtus, le bébé in utero va capter des informations de son père, sa mère, l'environnement, et va en fait commencer à vivre une blessure. Ou parce que, je sais pas, ce bébé n'est pas attendu comme une petite fille. Même si on est super content après que ce soit une petite fille. Hein. Mmh. Et c'est juste qu'inconsciemment, il y avait un des deux parents qui pouvait peut-être... Qui avait une attente. N'attendait pas une petite fille. Et même si, effectivement, c'est avec véracité que le couple est heureux d'avoir la petite fille, pourtant, quelque part, le fœtus a eu... Ah bah oui, mais en fait, je ne réponds pas aux attentes d'un de mes parents. Et par exemple, ça peut être ça qui se rejoue. Ah, et par exemple, ça peut vous donner... quelqu'un qui fait super bien son travail et qui en fait on trouve à redire quelque chose et d'un coup s'effondre alors qu'en fait c'est juste une remarque par exemple du patron, mais parce que elle ne répond pas à l'attente. Mais en fait c'est pas à l'attente du patron qu'elle répond pas, c'est à cette première attente. Ah oui, d'accord, donc ça peut aller très loin. Alors ça tombe bien, tu vois, les synchronicités, quoi j'ai une personne actuellement en ce moment qui se fait, quoi qu'elle fasse, on va dire, dans son travail, elle a pris les choses sous tous les angles, en fait, c'est devenu la tête de turc de sa chef. Ouais. Donc ça peut être une problématique qui remonte à ça. Ça me résonne comme ça dans ce que tu viens de dire. C'est possible. Après, il faut... En fait, c'est le fameux « chaque cas est individuel », donc il faut voir exactement. En fait, et c'est ce fameux premier rendez-vous qui permet aussi de prendre la structure. C'est-à-dire que, vraiment, dans la difficulté, ça a toujours la même structure. C'est-à-dire c'est une forme qui se répète dans la vie. Et donc, la forme, c'est au niveau du ressenti, de l'émotion... je sais pas, je me sens à chaque fois rejetée, dans l'impression que j'ai, c'est de me sentir étouffée. Donc là, moi, dans ma tête, ça fait étouffée, bah tiens, je vais me demander qu'est-ce qui a pu se passer au niveau, par exemple, de la naissance. Est-ce qu'il y a eu une difficulté au niveau du bébé? Est-ce qu'il n'avait pas assez de place? Est-ce que, voilà. Donc ça, ce sera après l'exploration.
D'accord. Alors, j'ai déjà une première question de Marie-José Portugaise qui dit « Pourrait faire do trabajando à distance ?» Donc, comme je suis un peu espagnol, Santiago, ça ne s'invente pas. Je comprends. Est-ce que le travail peut se faire à distance ? Je fais du à distance. Ouais. Donc, par Skype, par téléphone ? Je fais par WhatsApp. Ouais, WhatsApp, ouais. C'est universel, moi ça marche bien. Voilà. Très facile à installer. Voilà, Marie-José, si tu veux faire à distance, voilà ce qui se passe. Et il y a le lien, en fait, de ton site internet dans la description, que ce soit sur Facebook ou YouTube, hein. Vous pouvez trouver toutes les informations. Donc on voit que là, c'est un exemple concret. Une problématique qu'on a avec ses supérieurs hiérarchiques peut venir déjà, tu parlais tout à l'heure, au niveau de la naissance, si l'enfant n'est pas consciemment désiré, ou alors un enfant de replacement, ça peut être aussi ça, par exemple. Puis, sur la naissance, en fait, toutes les problématiques qu'on a actuellement, l'idée, c'est qu'il y a toutes les transposées au niveau de la naissance. Est-ce que j'ai été désiré par mes deux parents ? Est-ce que j'ai été reconnu ? Parce que alors, le manque de reconnaissance quand il manque un parent, c'est un peu jackpot. Hein. Je suis désolée, mais alors sachant que c'est pareil, on n'est pas tous obligés parce qu'un parent est parti d'avoir un manque de reconnaissance. On va dire que c'est juste extrêmement fréquent. Oui, ben voilà. Ça, là, on est dans le générique. Après, à un moment donné, au cas par cas, là, tu donnes des généralités, mais c'est vrai que c'est souvent ça, en fait, hein, en général. Le manque de reconnaissance, c'est quelqu'un part. C'est un cas... Quand on n'est pas reconnu par un parent et qu'on est adulte d'avoir un problème de reconnaissance, ouais, c'est fréquent. C'est souvent. D'accord. Ouais. OK. Donc, on voit... alors, justement, maintenant qu'on voit les tendants, on voit un peu la mécanique. Moi, j'ai du mal à voir la poulie, maintenant, en fait. Si tu veux, de voir la naissance, comment le fil de l'autre côté peut tendre, comment cette influence peut aller jusqu'au bout. Parce que quand on est enfant, on va dire de manière très mentale, je suis désolé, mais ce que je veux dire par là, je me mets à la place de ceux qui nous regardent et de ceux qui peuvent essayer de comprendre comment ça fonctionne. On n'est pas vraiment conscient quand on est enfant. Est-ce que là, l'inconscient déjà s'installe ? Alors oui, c'est même purement inconscient. Un fœtus, développé la conscience. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais c'est à croire que l'inconscient est encore plus puissant que le conscient. C'est fou, quoi. Bah, à l'heure actuelle, c'est quand même 1% de conscient pour 99%. Ils se battent entre 1 et 2% de conscient sur 98%. Enfin, je veux dire, fameux. Okay. La base, c'est est-ce que là, je suis en train de réfléchir à respirer ? Parce que réfléchir à réfléchir, oui, ça, j'y suis. Est-ce que je suis en train de réfléchir pour digérer, des choses avec ce fameux café que je viens d'ingérer juste avant ? C'est inconscient, Ça se fait automatiquement, oui. Ouais. Est-ce que je viens de décider de croiser mes pieds sous la table consciemment ? Non, etc. Ouais. Est-ce qu'on fait des gestes qui accompagnent la parole ? Non, ça aussi, c'est automatique. Voilà. Donc c'est tout ça l'inconscient. Donc il y a beaucoup d'automatismes qui lui sont relégués, en fait, délégués, en fait. Ouais. Hein. D'accord. Ouais. Okay. Et heureusement, parce que si je devais réfléchir à tout ça, sinon... Tu ne pourrais pas te concentrer. Voilà. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Donc l'enfant, en fait, capte toutes ces informations dans son inconscient et elle ressort après, une fois adulte, dans sa vie au quotidien. Alors, pas tout le temps, en fait, c'est d'où les fameux cycles mémorisés. Donc après, effectivement, il peut y avoir des choses un peu plus... comme des personnes qui ont une difficulté d'estime de soi... Ou ça peut être un peu en fond. Mais sinon, les blessures en tant que telles, elles vont vraiment... c'est comme aimanter des situations de manière à ce que se rejoue exactement la même blessure. C'est ça qui est alors, la blessure. Intéressant et un peu... Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est en fond. Mais est-ce qu'il y a, à un moment donné, la vie semble nous laisser tranquille, nous laisser un répit pendant la jeunesse ? Quel est le catalyseur, quel est l'élément déclencheur, qu'est-ce qui met le feu aux poudres ? Pourquoi d'un coup, tout va bien dans ma vie, voilà, on va dire j'ai 25 ans, et puis d'un coup, là, j'ai un problème d'estime de moi, j'ai de confiance en moi, ou le sentiment d'abandon que je vais traduire à travers ma relation. Voilà, c'est quoi ? Pourquoi d'un coup ça vient comme ça ? Pourquoi ça ne pouvait pas rester tapis sous dans la poussière comme ça ? Parce que, comme je disais, en fait, c'est... Alors... Il y a bien un élément déclencheur, là. Oui, il y a bien un élément déclencheur. Par exemple, le sentiment d'abandon. J'ai ma première petite amie que j'avais depuis mes 17 ans, et à 25 ans, Elle me lâche. Et donc, là, je vis un abandon, etc., etc. Et donc, la souffrance qu'on a, elle vient pas de là. Pour faire vraiment un cas inventé, mais qui pourrait être une réalité pour une personne, mais là, pour le coup, c'est purement inventé, eh bien, quand il avait...
12 ans et demi, en général, on va dire que, je sais pas, il a changé d'établissement, il a déménagé, il a perdu tous ses copains, il s'est senti abandonné. Mmh. On revient vers 5 ans et quelques. Là, à ce moment-là, il avait une meilleure amie, et la meilleure amie, elle a déménagé. Mmh. Voilà. Donc ça fait écho. Il est là, le encore cycle. Encore plus petit. Et puis, peut-être que, justement, dans le ventre, il y a ce qu'on appelle syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire, il y avait un autre jumeau, sachant que ça peut être même au stade embryonnaire, et l'autre, pour x ou y raison, ne s'est pas incarné. Okay. Donc, dans ma vie, je vais revivre cet abandon-là. Comme un membre fantôme, quelqu'un qui a été amputé et qui sent quand même le membre. Là, son jumeau, c'est pareil, c'est il pas le mal sent. Comme, c'est pas mal comme... C'est-à-dire que... bon, alors, c'est aussi mon cas, donc je peux un peu... en plus, je sais un peu de quoi je cause. Mais ça, c'est la conscience qui s'exprime, là, encore. Hein, peut-être. Après je prends des sujets, je les déguise, mais je peux, comme ça, moi, je sais que je peux en parler. Mais au moins là, je le dis. Moi, c'est donc l'abandon pour le coup. Hein, ça résonne bien. Hein. Bonne question en fait. Alors, vous avez sous vos yeux la conscience marche. Voilà, et effectivement, cette recherche, moi, pendant très longtemps, j'ai eu cette recherche de l'autre qui peut s'expliquer dans des relations, une sorte de fusion, une sorte de dépendance, chez moi, c'était une sorte d'ambivalence dans mes relations amoureuses. J'aime bien être avec toi, mais j'aimerais que tu sois loin aussi. Parce que je sais que tu vas partir un jour. Parce que moi, j'ai ça comme marque. Je sais que tu vas partir un jour, donc je vais même te larguer avant. Ah oui, oui, tu pour éviter d'avoir mal, je vais te faire mal avant que tu me fasses. Je vais te lancer la pierre avant que tu reçois. Ouais. Mais ça va être plus facile. Parce que ça, je sais le faire. Parce que je l'ai fait. L'autre, il est parti. Donc cette fois-ci, c'est moi qui quitte. Enfin, c'est un exemple. Là, c'est une réaction. On peut réagir à l'inverse ou dans l'autre sens. Alors, par exemple, je te donne un exemple concret. Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, dans les 3 premières années de la vie d'un enfant, hein, qu'on a tous été, si, j'ai sucé mon pouce et tout, comme vous, quand j'étais bébé. Ça se voit pas, on dirait pas, mais je vous jure que c'est vrai. C'est pas des blagues. Et j'ai même eu des couches. Et des biberons. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, entre 1 et 3 ans, au moment du développement de l'enfant, si le papa part travailler en déplacement pendant plusieurs mois, est-ce que l'enfant peut ressentir ça comme un abandon et ça va se répercuter plus tard? Ça peut être le cas. Tu as eu des cas comme ça, par exemple? Ça peut être le cas. En fait, c'est toujours... est-ce que ça va résonner? Donc, parce que normalement, il y a déjà une première empreinte à la base. Donc, est-ce que ça va résonner avec ça? Ou autant le petit, il va le vivre très bien. Ça dépend. Tant mieux pour lui. D'accord. D'accord. Voilà. Alors là, on voit que finalement, on comprend que ça commence déjà presque le choix de l'incarnation. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a presque un choix de revivre une situation. Mais ce sont mes croyances personnelles, que je n'impose à personne, mais ce sont mes croyances personnelles. En tout cas, ton expérience détecte ça quand même. Hein, l'établit bien. Tu n'es pas la seule à le dire quand même. Il y a une conjoncture qui va qui tend vers ça, en tout cas. Donc, on va partir du postulat, hein, comme étant vrai ce soir, à vous de prendre ou pas comme une vérité absolue, mais il y a cette idée que l'âme choisit son programme pour justement vivre une expérience. Et donc, on va dire là où ça fait mal, plutôt que d'éviter, on va y aller. Hein, on va vraiment vivre l'expérience en question pour expérimenter et dépasser peut-être ça. Hein, dans le but d'une évolution, oui. Voilà, parce que le faire pour le faire... Non, ça n'a aucun intérêt. Tiens, j'aime bien avoir mal, je vais y aller. Non, ça n'aurait aucun but. Donc ensuite, on voit qu'il y a, ça peut être très tôt, qu'il y a un élément déclencheur. On peut avoir la paix pendant un temps, puis un jour, c'est déclenché par rapport à un événement de vie qui est traumatisant. Tu parlais tout à l'heure, tu donnais l'exemple de la petite amie qu'on a rencontrée à 17 ans et qui nous largue à 25 ans. On a ce sentiment d'abandon, mais c'est pas dû au fait de ce qui vient de se passer, même si on est abandonné sur le moment. Ça fait résonance, et c'est là où c'est cyclique. Ça fait résonance à peut-être un papa qui est parti travailler en déplacement et qui a été mal vécu, si c'est le cas. Alors, on voit la mécanique ici, comment elle se met en place et comment les personnes peuvent réagir lorsqu'elles te consultent, lorsqu'une personne te consulte. Quels sont en fait les outils à partir de là pour, une fois que tu as révélé, comment tu fais pour révéler déjà la problématique, la source? Parce qu'il faut bien aller à la source.
le gars qui vient de te dire, voilà, ma nana vient de me larguer, je me sens abandonné, comment ça se passe? Je vais peut-être pas lui dire tout de suite, ah, vous avez peut-être eu quelque chose dans le monde. Non, parce que moi aussi... Oui, il y a quelque chose de progressif. Moi aussi, comment dire, enfin, j'écoute aussi la personne, parce que, enfin, moi j'arriverai et je dis, ah ouais, je viens de vivre ça, c'est hyper douloureux. Oui, attends, interrompons-nous à votre petite enfance. Enfin, ça peut pas être brut de décoffrage, enfin, on peut pas remonter là. J'ai jamais fait ça à personne. En début de film, comme ça, mais c'est vrai que, quels sont pour toi, donc, comment tu amènes les personnes à ça? Est-ce que ce sont des séances d'hypnose? Est-ce que c'est la régression? Comment ça marche? Alors, donc, en fait, il y a des... En fait, c'est toujours l'idée, il existe des outils factuels et des outils, on va dire, on va dialoguer avec l'inconscient. Mmh. Voilà. Mmh. En fait, je travaille avec le conscient et l'inconscient. Et chacun... En fait, il y a un allemand et un espagnol. Mmh. Il faut parler en allemand et l'autre, il faut parler en espagnol. Mmh. Et du coup, si je pars avec le côté conscient, donc là, on va aller chercher les données au niveau de... Ben, en fait, que la personne aille poser les questions à son père, à sa mère. Et donc là, il y a un questionnaire précis. Mmh. Après, c'est pareil, c'est un questionnaire qu'il peut faire après les régressions. Je viendrai là-dessus après. Mmh. Pour voir si effectivement... L'évolution, c'est... voir ce qu'il y a un avant et un après. Si non, voir si ce qu'il a vécu en régression... est une réalité chez les parents, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de reconfirmer. Est-ce que mon expérience un peu étrange, en état de conscience modifiée, je reviendrai dessus, est véridique? Et souvent, ça se recoupe avec les dires des parents, s'ils sont encore vivants, c'est une autre question. Voilà, et au niveau de l'inconscient, là je vais utiliser plusieurs outils, donc ça va être ou de la sophrologie, ou de l'hypnose, ou de la PNL. Je dirais presque que c'est pas tant leur petit nom qui m'est important, c'est juste que c'est mes méthodes que je vais utiliser pour juste parler avec ce fameux inconscient. Et donc là, effectivement, il peut y avoir des régressions in utero. Voilà, qui peuvent aller pour voir la source. Parce que tu as décelé que, souvent, oui, en fait, tu vas à la source du problème, hein. Voilà, c'est le but, aller au plus près de la problématique. On va peut-être commencer à lire, je vais te laisser puisque c'est de ton côté, voir en fait les différentes questions qu'il peut y avoir, en lire, enfin, bonsoir Sylvia, bonsoir, Sylvia parle beaucoup aussi, elle pose plein de questions, très bien, elle est très curieuse. Ranc aussi, Françoise, bonsoir Bennett, bonsoir JH, bonsoir Maria, bonsoir Valérie, bonsoir Alix aussi. Tiens, nouveau Alex. Bienvenue à toi, Alex. Voilà. Alors ici, j'ai effectué... Je sais qui tu es, Alex. Ah, d'accord. Alors, c'est pas nouvelle Stéphane, c'est sûr. Alex. Alors, parce que je l'ai interviewé, Stéphane. Alors, deux mots, qu'est-ce que c'est exactement cette transformation? On va le traiter après, hein. J'ai un peu de connaissances concernant l'enfant. Quel est le lien entre la spiritualité et la transformation? Ouais, on va le voir aussi. C'est compliqué, là aussi, de répondre comme ça. J'ai effectué une psychothérapie de couple sur 5 ans qui n'a pas donné des résultats côté l'autre. Tu lis comment ou... Il doit manquer, oui. Ouais, il doit manquer une phrase, un mot. Bonsoir à tous, désolé. Ok. C'est pas grave, hein, bonsoir à tous les deux, désolé, je vous regarderai plus tard, je vais regarder le. Foot, grosse bise. Merci, c'est sympa, hein, comparé. Allez, bon match. Transgénérationnel, faut connaître nos vies antérieures pour avancer. Ah, alors, ça, c'est une question. Transgénérationnel, c'est les ancêtres. Hein. Oui, c'est ça. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà. Alors, ça, c'est pas quelque chose que tu traites. Tu fais pas si, ou si, si, si. Voilà. Mais c'est pas pareil que les vies antérieures. Les vies antérieures, ça part du principe qu'un être humain a eu plusieurs vies. Je pense qu'il y a l'amalgame dans le sens. Non, mais c'est pour préciser justement par rapport à la remarque transgénérationnelle, faut connaître nos vies antérieures pour avancer. Je pense qu'il y a un point d'interrogation. C'est pas les mêmes branches, on va dire. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi je rencontre très souvent des personnes à fort caractère qui ne me respectent pas. Dès qu'une personne sort de ma vie, une autre y entre automatiquement en amitié. C'est marrant, j'ai eu un peu la même remarque lors d'un atelier dernièrement que j'animais. Alors là, c'est pareil en fait, donc merci pour vos questions, et en même temps, j'ai pas assez d'éléments pour y répondre, mais je peux tout au moins donner des pistes. Et comme en séance, je veux dire, je pose des hypothèses et la personne voit si pour elle c'est juste ou pas, et normalement on rééquilibre ensemble, justement pour affiner, peaufiner exactement ce qui se passe pour elle, voilà, parce que moi, c'est pour personne.
Donc, la question, c'est, bah, première chose, c'est est-ce qu'il y a eu une personne à fort caractère dans sa petite enfance ? Mmh. Et bon, je pense à autre chose, mais bon. Mmh. Voilà. Ça peut être aussi dans la fratrie. Voilà. Ça peut être aussi en transgénérationnel. Donc là, sur la vie des aïeux, est-ce qu'il y a eu des victimes ? Donc est-ce que la personne porte une énergie de victime ? Mmh. Voilà. Qu'elle a partagé avec une grand-mère, une mère. Voilà. Il peut y avoir ça quand il y a eu, par exemple, des agressions, dont des agressions sexuelles, quand on pense aux femmes, je pense forcément à ça, qui fait qu'on garde une énergie de victime et qu'il faut transformer ça. Et après, c'est pareil, il y a une porte d'entrée à un moment donné chez nous. Quelle a été la porte d'entrée ? Ouais. Ça peut être simplement, hein, parce qu'on pense souvent à des grands trucs, mais ça peut être simplement, je me suis pas sentie acceptée quand j'étais en primaire et il y avait le grand caïd de la classe qui m'a malmenée. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai réagi comme une victime parce que j'étais qu'un enfant qui ne savait pas se défendre et qui n'avait pas les moyens, les ressources. Mmh. Et du coup, je vais rejouer ça dans ma vie pour en fait, comment dire, décristalliser ce souvenir enfant. C'est-à-dire, ah mais en fait, maintenant je suis grande. Ah mais en fait, maintenant je sais parler. Ah mais en fait, maintenant je sais dire non. Et en fait, aussi libérer ces... Faire prendre conscience qu'on n'est plus victime cette fois, qu'on n'est plus dans la même situation. Et c'est surtout reprendre aussi des ressources. C'est ça qui est intéressant. Mmh. En fait, moi j'aime bien dire ça, c'est qu'il y a un cadeau en plus. C'est-à-dire que certes, déjà on s'évite de faire des répétitions, mais en plus de ça, on reprend toute une vitalité, toutes des ressources qui étaient... qu'on avait dit, ah mais non, mais moi je ne sais pas faire. Et en fait, on change cette donnée parce que le fameux de... j'aime bien expliquer ça comme ça, et c'est Jean-Paul Fluteau qui a été mon ancien enseignant en PNL qui disait ça. C'est le fameux... Alors là, je suis grand, je sais bien tout faire. Puis d'un coup, il y a mon patron qui débarque et puis il parle avec des gros sourcils comme ça. Il fait « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait !» Et là, warning, j'ai plus parlé. La personne perd ses moyens. Ouais, voilà, perd mes moyens, je sais plus comment faire. Alors que, enfin, il y a 2 minutes, je savais encore faire. Voilà. Mmh. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là, notre inconscient, il capte gros sourcils. Mmh. Alors quand mon papa, il faisait gros sourcils comme ça, c'est que j'avais fait une bêtise et qu'il fallait que je me tienne comme ça. Parce que je sais pas qu'est-ce qui pouvait m'arriver. Donc forcément, à ces moments-là, c'est le petit garçon en fait qui va revenir aux commandes. Et là, vous pouvez y aller, il n'y a plus personne. C'est votre petit garçon aux commandes, ou votre petite. Et là, le petit garçon, c'est l'inconscient qui, d'un coup, est mis en avant ? Par le filtre du conscient ou pas ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bascule conscient-inconscient. Si tu veux, c'est quand on a une blessure dans notre petite enfance ou in utero, c'est notre inconscient, il a codé. Ça vient de la PNL et c'est hyper important. Il a tout codé. Il a une sorte de programmation. Et vu que notre inconscient, il est super balèze, il a tout capté. C'est-à-dire que là, s'il m'arrivait un traumatisme avec toi, je capterais ce fond vert que vous ne voyez pas derrière vous, je capterais ces lumières, je capterais, je ne sais pas, la forme de ton sourire, la forme de tes cheveux. Il y aura une supraconscience. Voilà, du coup, hein. Il va tout capter. Mmh. Il va dire, ceci est dangereux. Sauf qu'il va tout mettre, c'est-à-dire il va peut-être mettre les feutres, il va peut-être mettre cette bouteille d'eau voilà. Et si un jour, moi je recapte un élément, une bouteille d'eau, et ben là je peux me mettre à stresser pour rien, enfin pour rien, qui me semble être pour rien. Parce qu'il y a les éléments, les ingrédients qui te ramènent à ça. Exactement. Qui te rappelle ça. Alors, justement, on parlait d'émotions vécues et de choses captées par l'inconscient, la vie intra-utérine. Est-ce que l'état d'esprit de la maman est capté par l'enfant ? Du style, prenant un cas extrême, c'est pendant 9 mois, la mère est dépressive pendant sa grossesse. Oui. Donc ça fera quoi ? Un gamin dépressif aussi ? Maniaco-dépressif ? Pas forcément. Alors, c'est pareil. Lui, il va choisir il va choisir. On va expliquer ça après. je n'ai rien dit. Mais en tout cas, il va capter maman dépressive. Mmh. Alors là, effectivement, il a l'option dépressif, moi aussi. Mmh. Il a l'option sauveur. D'accord. L'inverse, là, carrément. Ouais. Il peut avoir plein, il va avoir plein d'options. Je sais pas, moi, toutes les femmes dépressives, je vais essayer de les renier, parce que c'est bon, j'ai fait 9 mois, pas plus, quoi. Ça peut être, il faut savoir qu'à chaque événement, en fait, il y a 1000
1000 regards. En fait, pour vraiment finir, on va dire, avec qu'est-ce qui peut se passer s'il se passe ça. En fait, c'est dans une situation, vous prenez 10 personnes, il y a 10 réactions possibles. Ouais. Qui n'auront pas à avoir la même réaction, 10 réactions différentes, la même problématique. Exactement. Selon ce qu'on a vécu, ce qu'on a travaillé aussi, parce qu'heureusement, ce qu'on a transformé, parce qu'heureusement, on avance. Et ce qui fait que, heureusement, je ne sais pas s'il y a un accident en face de moi, ou moi-même, je ne sais pas, quelqu'un m'agresse, je vais peut-être garder mon sang-froid, alors qu'une autre personne va avoir peur. Totalement paniqué, l'autre va attaquer, va agresser plutôt que... Voilà, il y a tous les cas de figure sont possibles. Exactement. D'accord. D'où le cas par cas. Alors, ça, c'est intra-utérine. On va parler aussi en psychogénéalogie. Est-ce qu'il y a une différence avec ça, la psychogénéalogie? Parce qu'on parle transgénérationnel. La psychogénéalogie, le transgénérationnel, il y a plein de termes, en fait, pour parler de cette méthode. C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. D'accord. Transgénérationnel, psychogénéalogie... Alors, si par exemple, le papa décède lorsqu'il est enfant, et on lui dit, papa, il est là-haut. Hein? Est-ce que ça donne un alpiniste ou un pilote d'avion? Est-ce que c'est vrai ça? C'est galvaudé ou pas? Cette image de l'enfant qui va aller à la recherche de son père inconsciemment, il va faire forcément un métier parce qu'on lui a dit qu'il était là-haut, qu'il était parti dans la montagne. Donc ça va être un alpiniste ou ça peut être vrai en fait. C'est toujours cette fameuse idée de je vais interpréter comme je veux. Mais en fait l'idée c'est que si je recevais quelqu'un qui est alpiniste et qu'on lui a dit son papa était là-haut, en gros je vais lui donner cette interprétation. Et je lui dis, est-ce que ça te fait sens? Et en fait, c'est ça qui est important, c'est est-ce qu'à moi, ça me fait sens? Si non, non, ça ne me fait pas sens. Si oui, en fait, je peux enfin comprendre que je faisais ce job peut-être à 98% d'inconscient, et en fait, remettre de la conscience dans mon travail. Et des fois, dire, parce que ça se présente, est-ce qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire ce travail? Parce que du coup, il y a des travails qu'on effectue par réparation, ou le faire vraiment en conscience. Ok, maintenant, je sais, il y a quelque chose de... Je suis encore mieux et encore plus à ma place, du coup. Parce que je fais maintenant ce travail avec conscience. Alors, est-ce que là, la transformation sur le plan, on va dire premier plan, vraiment mental, est-ce qu'à ce moment-là, lorsque l'alpiniste ou le pilote d'avion, qui a pris conscience que ça a été décodé, étant petit, on lui dit, papa, il est parti, il est là-haut, etc. Et donc, inconsciemment, il a fait un métier pour aller rejoindre son père, aller retrouver, aller chercher, dire, c'est bon, papa, tu peux rentrer à la maison, maintenant, malheureusement. Et à ce moment-là, est-ce que la transformation n'est pas déjà, lorsque tu viens de dire, voilà, j'ai compris pourquoi j'avais fait ce métier ou quoi que ce soit, et il y a une transformation, une reconversion. Ils démissionnent et font autre chose, parce que il n'y a plus cette recherche, finalement. Donc, leur métier n'a plus vraiment de sens, ils ne se sentent plus aussi passionnés. Il y a quelque chose, est-ce que tu as ce genre de témoignage dans ta pratique? Je l'ai eu une fois avec quelqu'un qui faisait du travail de nuit. Ah. Et en fait, en transgénérationnel, cette personne... Bon, alors, le travail de nuit, en psychogénéalogie, forcément, on va penser à un moment donné, est-ce qu'il y a eu des cas de prostitution? Ok. Parce que le travail de nuit, c'est quand même un autre terme pour parler de la prostitution. Et sa mère faisait un travail qui l'occupait dans les soirées. Et sa grand-mère, en fait, elle, il y avait eu des cas, effectivement, de prostitution. Et effectivement, quand elle a... Enfin, je sais ce que je pense, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Mais quand elle a pris conscience de ça, elle a effectivement changé de travail très vite. Est-ce que c'était ça après le... l'alpha de l'oméga, je sais pas. Je pense que de toute façon, un parcours... Mais la conjecture du moment et le fait qu'elle te consultait... En tout cas, c'était... Ça s'est... Ça s'est bien goupillé. Ça s'est goupillé très rapidement. De cette manière. Ok. On a bien... D'accord. Donc, ça peut répondre à certaines personnes en termes de transformation. Je pense que c'est à un niveau seulement, là. On parle de changement de travail parce qu'il y a une prise de conscience et qu'on n'a plus raison. Mais simplement, tu vois, un métier comme le mien, j'espère... Bon, voilà, on est son premier cordonnier mal chaussé, mais si moi je n'ai pas conscience de pourquoi je fais ce métier, je peux après reprojeter chez mes patients, je ne sais pas, il faut que je sauve ma mère ou mon jumeau perdu, voilà. Et si je n'ai pas conscience de ça, il va se jouer tout un tas de trucs qui n'ont rien à faire dans cet espace-là.
D'accord. Voilà, donc il vaut mieux que j'en prenne conscience pour être sûr que je fais ce métier vraiment pour accompagner l'autre et pas en fait, c'est les fameuses hein, études de psycho commencées parce qu'en fait on a un boulet à oui. déposer quelque part. Donc en fait tu soignes mais en même temps en soignant les autres tu te soignes. Or si tu es à ta place, tu accompagnes, voilà. Ouais, je soigne une personne. Voilà. Alors si tu accompagnes des personnes, si en étant à ta place, tu accompagnes des personnes et tu évolues en même temps qu'elles, là c'est ouais. différent encore. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'elles te font grandir aussi, les personnes ouais. qui viennent. Alors moi je crois, alors c'était un peu une évidence pour moi et je l'avais entendu lors de mes études où en fait les personnes qui arrivent sont souvent en miroir. Mmh. Et apporte souvent en plus les mêmes blessures, les mêmes difficultés, voire même à des fois une ou deux heures de décalage. Hein, moi, j'ai reçu quelqu'un qui avait des idées noires. Moi, juste avant, je m'étais boostée, genre, allez, Audrey, ça va bien, méthode Coué. Allez, il faut que t'accompagnes, il faut que tu sois droit, tu rentres dans tes bottes. L'autre, elle arrive, elle fait, ah, j'y arrive pas aujourd'hui, je suis complètement dépitée, j'ai envie de me cacher. Et moi, je fais, ouais, moi aussi. Mais non, là, je peux pas, en fait. Et en fait, moi, j'aime l'idée que, en fait, on est simplement les facettes d'un même diamant. Mmh. Et en fait, quand je te permets de t'accompagner, en fait, moi aussi, oui, pour moi, c'est complètement. Là, on est dans l'idée de reliance, là, ouais, forcément. Ouais, ouais, moi, ça, c'est sûr. Quoi. Et même, il y a eu un moment, parce que moi, j'ai découvert que j'avais un jumeau perdu grâce aux personnes que j'accompagnais. Parce que j'avais, enfin, statistiquement, je crois que c'était juste improbable le nombre de personnes qui me disaient « Ah ouais, j'ai un syndrome du jumeau perdu ». Je sais pas, c'était le médium qui me l'a dit, ça a avéré. Ça a révélé cela. Mmh. Et là, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible. » Alors déjà, moi, je me suis dit « Bon, il faudrait peut-être que je me pose la question pour moi, parce que 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas, il faudrait peut-être que je me pose des questions. » Et il y a un moment, surtout, je me suis dit, non, mais Audrey, c'est toi qui hallucine, et c'est toi qui pose des syndromes du jumeau perdu partout, c'est toi qui veux en voir et tout. Oui, le et en fait, quoi. Là, j'ai eu deux personnes, mais pratiquement, en plus, ces rendez-vous, pratiquement en même temps, je les avais des fois dans la même journée, qui en fait avaient perdu des jumeaux à 9 mois. Donc là, il y avait répétition. Donc là, quand tu perds un jumeau à 9 mois, c'est pas comme un jumeau à 3 semaines, quoi. C'est, là, tu sais qu'il y a eu un autre, en fait. Donc là, on est dans la répétition. Il y a Sylvia, par exemple, qui dit comment on fait quand on attire toujours le même type d'homme, schizophrène ou pervers narcissique. Alors là, si à chaque fois elle rencontre, elle fait en sorte d'attirer elle ou d'être séduite par ce type d'homme-là, qu'est-ce qu'elle... Là aussi, on est dans des généralités. Hein, là, je reviens sur l'énergie de victime, en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait que... En fait, la... Elle ne s'autorise pas à être... Il y a une partie de nous qui porte l'énergie de victime. Alors, il peut y avoir plein de choses. Hein, c'est... Bah, tout ce qui est agression dans la petite enfance, hein. C'est forcément. Parce que bah, du coup, c'est comme une marque, c'est comme une empreinte. Et ça, c'est dans l'inconscient, et ça a aimé, en fait. Donc c'est comment se décharger de ça pour ne plus avoir attiré des bourreaux hein, à soi. Enfin, sachant qu'on n'est pas forcément schizophrène et bourreau. Alors, est-ce que finalement, on va prendre... Il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, attention. Ouais. Hein. Simplement, une personne, une femme par exemple, qui va attirer toujours un homme qui va la battre, ou qui est alcoolique, ou qui la maltraite, qui ne la respecte pas, on a vu tout à l'heure. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de faire valoir? Je m'explique. Ouais, dans le sens où, elle, du coup, autour d'elle, elle rassemble des personnes qui vont la plaindre, qui vont s'en occuper. Elle a un intérêt. Là, c'est l'énergie de victime, en fait. D'accord, ah oui, c'est, d'accord. C'est okay. Ce qui définit, oui, si okay, on met voilà. plus de mots, c'est des personnes, voilà, qui... Mais après, c'est... Parce que là, ça peut faire un peu... C'est, en fait, pourquoi on va vers un comportement qui ne nous est pas adéquat? C'est que son effet secondaire, il y a un effet secondaire bénéfique qui est plus fort que les ennuis que ça nous fait. D'accord, donc si par exemple, inconsciemment, là on est bien d'accord, pour moi c'est plus important en fait de réunir, si j'ai trouvé en fait comme réponse inconsciente, de pouvoir réunir des gens autour de moi parce que j'étais dans la plainte, je vais essayer peut-être, toujours inconsciemment, de m'attirer des situations un peu merdiques, excusez-moi du terme, mais parce que je vais pouvoir continuer à rejouer ça. Donc effectivement, là, qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Bon, c'est un peu en deux mots, donc on va dire que c'est quand même quelque chose à dérouler avec plus de prise de conscience et tout ça, mais en tout cas, c'est se mettre en tant qu'acteur. Et faire part soi-même
demander de l'aide véritablement, parce que le principe de victime, c'est qu'elle se plaint, mais elle n'a pas forcément une demande d'aide claire. D'accord. Mais alors du coup, si tu déprogrammes ça, parce qu'on parle de programmation, tu parlais tout à l'heure... C'est parce que la personne, elle déprogramme. Hein. Ah si oui, tu l'aides à déprogrammer. Mmh. Mais si tu décristallises ce côté victimisation permanente, il y a un vide qui va s'installer. Exactement. Donc il faut le remplacer. Exactement. Et quels sont les outils à ce moment-là que la personne a ou que tu mets à sa disposition pour qu'elle remplace cela? Déjà, c'est aussi une des raisons de pourquoi la personne ne change pas, c'est que on sait faire ce qui est connu, mais on ne sait pas ce qui faire de l'inconnu. Mmh, donc déjà, ça c'est compliqué. Et puis du coup, on va plus avoir le même système social, on va plus avoir les mêmes amis, parce que si du coup on n'a plus besoin d'avoir tous les super-héros du coin, enfin, c'est vrai que ça demande beaucoup de changements. Donc ça, franchement, ça peut être effrayant, quoi. Enfin, je dis ça pour tous ceux qui ont des amis qui n'arrêtent pas de se plaindre. Mais pourtant, je leur ai donné tout plein de conseils et ils se plaignent toujours. Ben oui. Oui, c'est ça, ouais. On a l'impression qu'ils aiment bien aller mal, et en fait, c'est pas le cas, c'est juste qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent pas encore faire autrement. Voilà. Après, c'est pas parce que... Mm-hmm. Enfin, après, il y a le fameux... Encore une fois, pas de jugement, hein. C'est juste... Oui, et puis après, il y a les autres, quoi. Il y a ceux qui s'amusent, qui s'amusent inconsciemment à jouer les sauveurs, et là aussi, ça donne une fonction. Ben, j'aide les autres, je suis utile... Je suis une personne bien puisque je suis altruiste. Voilà. Je vais te laisser lire la question que j'ai sélectionnée là, pendant que je lis moi celle de Facebook. Alors, je te la laisse lire à haute voix, hein, c'est Chris qui te demande. Alors, in utero, ma mère était trompée par mon père. J'ai une relation fusionnée avec elle et sans cesse culpabilise lorsque je ne fais pas ce qu'elle me demande de faire. Alors, je ne vois pas la question. Je ne vois pas la question. Alors, on va essayer de décoder. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Chris? Parce qu'il y a un décalage, peut-être. Précise un petit peu ton témoignage, parce que c'est important. On ne fait pas de décodage en direct, ce n'est pas le cas. Mais par contre, ça peut aider aussi les autres. Hein, donc, ton témoignage est important. Alors, on va relire. In utero, ma mère a été trompée par mon père. OK. J'ai une relation fusionnelle avec elle. Et sans cesse culpabilise. Donc c'est elle, la maman qui culpabilise, non? Ou toi, Chris, qui culpabilise? Qui culpabilise? Ta maman ou toi? Lorsque je ne fais pas ce qu'elle me demande de faire. Ah! Donc c'est elle qui culpabilise, je crois. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Oui, et sur quoi En fait, je sais pas sur quoi je dois répondre, parce que l'un déjà n'a pas forcément de lien avec l'autre. Bien. D'accord. C'est possible aussi. Enfin, voilà, c'est trop... C'est trop succinct. Parce que je m'adresse à vous, je pourrais émettre plein de choses, là. Mm-hmm. Mais, ou dire, c'est ça. Mais je ne suis pas voyante, toujours. Alors, pas, malgré... On attend des précisions de la part de Chris. En attendant... Sylvia, à qui on avait répondu avant, parce que là, je vois sa remarque. Avant, j'ai eu pourtant un papa adorable. Alors, ça peut être le papa ou la maman. Ouais. Voilà, pas... Le fameux, c'est marrant, tu me posais la question tout à l'heure de où on en est par rapport au complexe d'Oedipe. Mm-hmm. Pour moi, ça, c'est pas dépassé du tout. Hein. Ça, c'est hyper actuel. Sauf que... C'est juste, je te disais ça parce que ce qui est contesté aujourd'hui, c'est que, quelle que soit la culture, dans le monde entier, tous les enfants, même l'enfant Maasai africain, a cette problématique-là. Et c'est là où il est contesté. Tu l'as validé, C'est juste que c'est discuté, voilà. Que c'est pas de partout pareil, et que ça peut être dans les pays industrialisés, après... Ce serait de l'ethnopsychothérapie, non, ça s'appelle pas comme ça, mais bon, bref, c'est encore autre chose. C'est là-dessus où c'est discuté, la psychologie par rapport à la culture, donc c'est encore autre chose. Effectivement, je pense que ça change sur le voilà, le donc pays. Le complexe d'Oedipe ne s'appliquerait pas pour lui, par exemple, pour Onfray, un enfant africain, Maasai, par exemple. Je sais pas, mais ce qui... Du coup, je finis sur ma remarque, si c'est bon pour toi. Et après, oui, bien sûr, je t'en prie. C'est qu'en fait, ce que je pense à l'heure actuelle, et c'est pas là, c'est les travaux de Salomon Selam. Non, c'est pas de Salomon Selam, mais il en parle aussi, mais c'est d'Arville Hendricks, c'est-à-dire qu'en fait, la composition de la personne qu'on va aller rechercher dans sa vie, comprend les traits positifs et négatifs de toutes les personnes référentes entre nos 0 et 6 ans. D'accord. Donc on va aller chercher autant le côté joueur de papa, généreux de maman, que en colère de papa et que de maniaque de maman.
Et on va faire comme ça son petit homme ou sa petite femme idéale. Et après, on dit, mais je comprends pas, il était si bien au départ. Alors là, on voit peut-être, il y a une suite de la part de Sylvia. Ça te parle peut-être ? Alors, donc, je lis en même temps les remarques, comme ça je réponds. Possible de connecter nos liens à l'intergénérationnel quand nous-mêmes, on n'a pas connu nos grands-parents, c'est mon cas. Alors là, il y a les archives à aller chercher. Moi, ce que j'ai vu en transgénérationnel, les gens arrivent en disant « Non, mais moi, j'ai aucune information. » Il y a toujours des informations qui tombent. Toujours. Là, ça parle aussi, on va dire, de la magie de l'inconscient. C'est-à-dire, on remet du mouvement, on remet de l'huile dans le mécanisme, et d'un coup, et ça tombe. Mais ça tombe vraiment, alors là, pour le coup, du ciel. J'ai toujours attiré des personnes avec un passé très lourd, que ce soit en amour ou en amitié avec des femmes, je rajoute des mots. Hein. Du coup, j'ai toujours été l'assistante sociale. Donc ça, c'est le rôle de sauveuse. Alors, sachant que, sinon ce serait trop facile, ça, c'est le triangle dramatique de Cartman. Hein. Donc c'est sauveur, victime, bourreau. Et en fait, on s'amuse à tourner dedans. Hein. C'est pas l'autre qui est un bourreau, c'est pas moi qui suis une victime. Alors, est-ce que là, c'est parce qu'elle n'arrive pas à se sauver elle-même, donc à défaut de corriger sa propre surface, elle corrige les problématiques des autres ? Ou elle s'en mêle ? Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Donc elle est victime, d'accord, par exemple, de ce qu'elle vit, et comme elle ne peut pas résoudre son problème pour le moment, parce qu'elle ne se fait pas suivre ou aider, il est plus facile d'aider les autres que s'aider soi-même ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que oui. Puis même moi, hein, quand on me parle de justement mon angle mort, et le premier moment, ça fait... non, je veux pas. Et moi, je me vois en fait maintenant, parce que vu que j'ai un peu l'habitude de travailler sur moi, je me fais comme ça. Et à l'heure actuelle, j'ai une superviseuse, et superviseur, ça permet justement de voir l'angle mort. Elle me dit... Et là, t'es comment dans le lien avec moi ? Oui, bon, d'accord, c'est fermé. Alors, je fais un travail de longue haleine à soigner mon enfant intérieur blessé. Félicitations. C'est déjà... Alors, on reviendra sur Sylvia peut-être tout à l'heure. Pour le moment, on va voir aussi sur Facebook quelqu'un qui dit « En Inde, on considère que la naissance d'un individu se fait dès que les cellules fusionnent. » Et j'y crois. Un individu peut avoir une souffrance dans le ventre de sa mère. Le fœtus réagit quand les parents font l'amour et lui donnent une énergie positive. Ah oui, dans les conditions de la conception, est-ce que c'est important de le faire Tout. Ouais, d'accord. Ouais. Quand on commence à travailler sur ce qui se passe in utero, c'est juste tout, quoi. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est comment ça met des rails dans la vie. Même, j'ai fait une formation autour de, justement, la sexualité et la relation affective. Et comment même dans nos goûts en termes de sexualité, ça peut être très lié à nos jeux d'enfants, en fait. Sans aucune perversion, en fait, on ne fait que répéter la même chose, sauf qu'on transpose à nos âges, quoi. C'est tout. D'accord. Et effectivement, de prendre l'entrée de la vie humaine à... Donc même dans ce qu'on appelle les empreintes de naissance, on travaille 9 mois avant la conception. Ah, mais carrément. Avant même la conception, il y a déjà un travail. Le projet sens, c'est sur 27 mois. 9 mois avant, les 9 mois de grossesse et les 9 mois de la première année de vie. C'est toutes ces données-là, conscientes et inconscientes, qui vont être extrêmement importantes pour la vie de l'adulte. Pour la vie de l'adulte. Alors, si on prend une problématique, est-ce que déjà, les personnes que tu reçois, est-ce que tu reçois tout âge ? Quel est l'âge minimal, maximal ? Tout âge. La plus jeune que j'ai eue avait 2 ans. Deux ans. Est-ce que c'est plus facile de traiter, d'aider un enfant, d'accompagner un enfant qu'un adulte ? Parce que c'est moins cristallisé. Je ne sais pas du tout les mêmes dynamiques. C'est pas la même approche. Et puis, d'un âge à un autre, mais il y a peut-être moins de barrières, l'enfant est plus... Ça va plus vite, effectivement, au niveau des accompagnements. Donc, si on prend tôt la problématique, on peut s'en débarrasser plus facilement. On peut dire ça. C'est un raccourci, mais... Pour moi, il y a deux choses. Effectivement, oui.
Mais en fait, c'est le fameux, enfin la personne qui dit, qui arrive à 60 ans et qui dit, eh mince, je m'en rends compte que maintenant, je lui dis quoi ? C'est dommage, vous auriez travaillé plus tôt. Alors, moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de... ce qui a été vécu jusqu'à un moment devait être vécu, en fait. Mmh. Et, je pense aussi qu'il y a certaines difficultés qu'on ne dépasse pas à certains moments, parce qu'on a encore besoin de s'exercer avec ça. Mmh. Voilà. Ça, c'est vraiment mes convictions à moi. Alors là, je prends vraiment un truc énorme. Je savais au moment de la conception, mais 9 mois avant, ça paraît incroyable de penser que... Alors là, on est dans le choix d'âme. Hein. On est peut-être dans le choix d'âme. Est-ce que là, l'âme qui vient s'incarner, on va parler... Là, on est dans un niveau plutôt spirituel. Est-ce que la scénarisation se prépare à ce moment-là, les 9 mois avant ? Est-ce que c'est... Sur l'âme, je vais te répondre en deux temps. Déjà, pourquoi 9 mois avant ? Parce que cet objet, il a été créé un jour. Donc, cet objet a été conçu un jour, comme un bébé. Sauf que ça, il va falloir bien que je le pense avant de le concevoir. Donc, en fait, pourquoi 9 mois avant ? Parce que c'est tous les projets inconscients des parents. D'accord. Parce que c'est le fameux, hein, votre enfant, vous l'avez rêvé d'une certaine façon, et que même si on désire, mais voilà, on va faire quand même des projections. Donc forcément, quand il va être incarné, on va avoir décidé qu'il ait le chapeau un peu plus vert, il y a une intention, la base blanche, il y a tout un travail, voilà. Là, inconscient aussi déjà. Et puis il y a le résultat final où des fois on est content et des fois, ah mince. Et est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une thérapie où les personnes viennent en disant, voilà, on a un projet de concevoir un enfant, et donc il faut s'y préparer. Est-ce qu'il y aurait un coaching comme ça ? Est-ce que ça existe déjà ? Je suis même pas sûr que ça existe. Il y a l'accompagnement déjà, tout ce qui est autonomie et compagnie par rapport au lien avec l'enfant. Après, c'est le fameux, est-ce qu'il faut faire un travail personnel avant de faire un enfant ? Voilà, après, moi c'est ce que je dis parce que je pense que ça peut être un peu culpabilisant le « Ah, j'ai fait un bébé, mais j'avais pas fait de travail personnel avant ». Mais c'est que moi ce que je dis, c'est si on part de ce présupposé où on choisit nos parents, eh ben ton enfant, il t'a choisi aussi. Donc, il est venu aussi parce qu'il avait ces limites-là, il est venu aussi parce qu'il y avait ces... Voilà, qu'il allait pouvoir évoluer à travers toi. Et c'est dans cette collaboration aussi qu'il allait trouver le meilleur... le meilleur défi, parce qu'il y a certaines collaborations, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont catastrophiques. Parce qu'avoir une mère, je sais pas, qui elle-même n'a pas eu de lien sécure avec sa propre mère et qui, du coup, crée un lien complètement insécure avec son enfant. Le transmet aussi. On peut pas transmettre autre chose que ce qu'on a connu. On peut transmettre que ce qu'on connaît. On peut transmettre ce qu'on connaît ou exactement l'inverse. Ou l'inverse aussi, par réaction. En fait, en transgénérationnel, on dirait faire de la même chose ou faire totalement de l'inverse, c'est la même chose. Voilà. C'est le fameux, si je suis banquier parce que mon papa était banquier, et ben, c'est une répétition. Si je suis artiste parce que mon papa était banquier, c'est une répétition. C'est dommage. D'accord. Oui, donc soit on est bon élève, soit on est rebelle. Hein, soit on va aller contre, histoire de... C'est de, je de... construis mon identité contre toi. Et en fait, je ne construis toujours pas mon identité pour moi. Et c'est ça la grande différence. D'accord. On parlait, j'avais avec un psy... Alors je crois que c'est un psychologue clinicien, c'était Bruno Clavier que j'avais interviewé, et qui parlait justement que l'enfant n'a pas la linéarité du temps comme on la conçoit jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc l'enfant pourrait, ça je trouve ça assez extraordinaire, l'enfant jusqu'à l'âge de 3-4 ans est capable de, voilà, pour lui de voir le passé de ses parents, de voir en fait les casseroles de ses parents transgénérationnels. Ah, mais quand on fait des régressions in utero, on peut avoir, certaines personnes ont accès à ce qui se passait dans la... J'ai une personne, par avant exemple... Avant même la naissance de l'enfant, c'est fou, hein. Qui voyait la conception de sa sœur, sachant qu'elle est la cadette, donc de sa sœur aînée. Et elle avait les informations qui se passaient au moment où c'était sa sœur qui, elle, était conçue. Donc ça, c'est avéré, hein. On sait que c'est une réalité. On ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. On ne va peut-être pas s'amuser à rentrer dedans. Mais... Il y en a qui... En fait, l'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'expérience en clinique, donc c'est-à-dire dans les séances, que vraiment
les études, on va dire, scientifiques. Mmh, voilà, mmh, mais souvent... Mais les conjectures vont dans ce sens-là, en tout cas, voilà. Hein, à prouver. Et après, moi, ce que je dis par rapport, de toute façon, à tout ce qui est croyance, c'est est-ce que ça m'est utile ou est-ce que ça m'est pas utile ? Est-ce que d'avoir... ou les personnes qui ont des régressions in utero ou même d'autres types de régressions, est-ce que c'était vrai ou c'était pas vrai ? Est-ce que ça a fait sens ? Est-ce que ça a modifié quelque chose chez toi, en fait ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste... Donc, si... Oui, mais là... Si la personne, tu me dis, l'enfant a fait une régression jusqu'à connaître in utero, en fait... Un adulte hein, qui fait une régression. Voilà, pardon. Ses enfants ne leur fait pas faire des régressions. Voilà. De sa sœur qui est cadette, donc qui est la cadette, ok. Avant même sa conception, sa propre conception à elle, ça c'est vérifiable. Donc elle ne peut pas dire « j'ai rêvé ». Elle ne peut pas dire... C'est vérifiable si elle va demander les faits à sa mère. Voilà. Et ça, il y a eu des études avec des vérifications par rapport à ça. Oui, il y a plein... effectivement, dans les livres, on va dire, en tant que tel, il y a plein de personnes qui vont vérifier ensuite. C'est comme les expériences de mort imminente où ils arrivent à décrire exactement, ils mettent des cibles même dans certaines expériences pour voir qu'ils ne sont pas visibles, en fait, pour quelqu'un allongé, mais qui sont visibles pour... pour ceux qui, sont, qui ont des colères. Une supraconscience ou une âme, ou on mettra le mot qu'on veut derrière. Mmh. Effectivement. D'accord. Donc là, ça, ce genre de régression, tu en as fait des régressions de ce type-là pour aller voir avec des expériences concrètes là-dessus, pour voir au niveau de l'enfant, avant la conception, avoir des révélations comme ça? En fait, quand je travaille avec les régressions, donc les régressions, pour être précis, c'est simplement, on part du moment présent et on va dans le passé. En rembobine, je le dis juste parce que c'est peut-être pas un terme clair pour tout le monde. En précis, c'est un passé qui peut être antérieur à notre propre existence. C'est ça qui est curieux. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Parce qu'on ne travaille pas dans le vide, on travaille par rapport à une donnée. Donc là, la donnée, c'est toujours la difficulté de la personne. Mmh. Ma petite amie m'a abandonnée, je me sens comme abandonnée, déchirée, etc. Ouais. Et en fait, là, c'est en fait... Avec la personne, je demande à son inconscient d'aller dans un événement antérieur. Et encore antérieur. Et encore antérieur. Et c'est en fait, il y a des personnes qui vont s'arrêter à 7 ans aussi. Mmh. Et il y a des personnes qui vont remonter. Le cas le plus, on va dire, incroyable que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est remonté à la vie de son propre père. Voilà. Ah, carrément. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Mais en fait, c'est parce que ça... continue à donner des informations. Et en gros, si tu veux, c'est comme si l'inconscient disait c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. D'accord. C'est à ce niveau-là qu'est la source. Donc, et c'est à ce niveau-là qu'il faut transformer quelque chose. Donc l'inconscient que tu invites, en fait la personne où tu invites, où tu pilotes, en fait tu aiguilles hein, en tant que thérapeute, ok, mais l'inconscient de la personne se transforme en espèce de Columbo et va aller là où il faut aller. Vraiment, c'est un incantère. Donc, va aller vraiment au fond de... Mais va aller que... Alors, oui ou non. Parce qu'il peut ne pas y aller aussi. Il peut dire, attends, moi, en termes de structure, parce que l'inconscient, il a l'air de faire des trucs qui nous enquiquinent la vie, mais entre-temps, il nous a protégés de plein de trucs. Ah, donc il y a des verrous, quand même. Eh oui, parce que dans lui, c'est que ça lui a fait mal, donc il dit, on m'y reprendra plus. Mmh. Normal. Mmh. T'es dégrammé une fois dans le feu, t'y as encore jamais retourné, quoi. C'est la base. Crâneau. Normal. Et en fait, si par contre, la conscience n'est pas en capacité de supporter la charge émotionnelle qu'il va recevoir, il dit... Il va bloquer. Il va pas bloquer, mais il va, par exemple, amener, c'est justement, il amène jusqu'à 12 ans. Ouais, il va s'arrêter à ce moment-là. Et ça, en tant que thérapeute, tu peux sentir qu'il y a une charge émotionnelle peut-être trop grosse, trop dure à supporter. Donc, la séance, tu vas faire quoi? Tu vas l'étaler, y aller plus mollo, plus doucement, on va aller mois par mois, par exemple, si on allait d'année en année, quel est le protocole que tu mets en place? Parce qu'il est vraiment, variable. Donc déjà, moi, je sécurise la personne en disant que je suis bien présente. C'est important. Et en fait, moi, je vais là où l'inconscient y va, en fait. C'est pas moi qui dis, tu vas in utero, enfin, si, ça, je peux le dire, mais tu vas à tes 2 mois in utero, ou tu vas à ta conception, ou tu vas à ceci. C'est là où l'inconscient, parce que comment tu sais quand c'est la minute 1 de la première année, enfin, je peux pas savoir ça. Donc c'est lui qui va aller chercher, grâce à la charge de l'émotion actuelle, par contre.
Alors, est-ce que la personne est consciente de tout cela? Et lorsqu'elle revient, revient avec les informations, ou c'est toi qui décodes les choses? Elle se souvient de ce qui s'est passé? Oui. De toute façon, on travaille ensemble, c'est-à-dire... parce que t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelqu'un qui revit sa séance in utero, il y en a qui vont se sentir bien, c'est un peu rarement le cas. Mmh. Et justement, je me dis, ah oui, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir dehors, va voir dedans. Et en fait, ça va. Il y en a qui vont se sentir étouffés, il y en a qui vont y aller en symbolique aussi. Mmh. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, c'était marrant, où en fait la personne se retrouvait dans une grotte. Mmh. Une grotte. Tu vois ce que je dis, moi, en tant que thérapeute? Une grotte, oui. On voit à quoi ça fait référence. Où elle se sent étouffée, sachant que la personne venait pour des crises d'angoisse. Elle se sent étouffée. Ah, et en fait, là, donc, elle, je lui dis, est-ce qu'il y a une issue? Non. Et s'il y avait une issue, elle serait où? En haut. Et donc, elle fait une issue en haut et elle sort. Voilà. Mmh. Et... dans le mille, à ton avis, elle est née comment, cette personne? Par césarienne? Exactement. D'accord. Et en fait, pourquoi on fait cette régression in utero, mais là, symbolique, mais ça fonctionne pareil. Ça marche. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'elle va modifier? En fait, elle va prendre la décision de choisir la sortie. Sachant que la première décision d'un être humain, c'est son accouchement. C'est le bébé au niveau des hormones qui frappe à la porte, qui voit le signal pour pousser. Okay. Ouais. Donc, ça fait des personnes aussi qui ont des difficultés à aller de l'avant parce qu'entre guillemets, ils n'ont pas eu la responsabilité de leur première décision. Donc, où ils attendent un coup de main de l'extérieur. Mmh. Ça arrive souvent dans les césariennes. Ou alors, ils vont vouloir toujours faire tout seul aussi. Ah, c'est l'inverse, là, ok. Ouais. Il y a un côté bah oui, y a toujours, on m'a pas laissé le choix, donc maintenant, je prends mon pouvoir. Parce que sinon, ce serait le dictionnaire des rêves. Hein. Alors, je suis née avec comment autour du cou, tu vas te pendre, c'est con. Je plaisante, hein, je suis très ironique et humour noir. Il faut dédramatiser aussi en même temps. Je vous préviens, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas le second degré. Donc, voilà, c'est ça, en fait, mes blagues. Ce n'est qu'une émission. On n'est pas en train de faire une régression en direct, heureusement. Donc, voilà, ça se passe, est-ce que les régressions, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir, moi j'en ai jamais fait par exemple, est-ce que on a cette image, tu sais, du thérapeute qui est plié, qui coche un quinon en disant parlez-moi de votre mère? Bon, c'est pas ça du tout, on est bien d'accord, on casse aussi ce cliché là. Ah bah, je peux leur demander parlez-moi de votre mère, ça arrive par contre. Mais tu joues pas au quinon pendant ce temps, hein? Ah, au quinon, voilà. Tu fais pas de grille de morpion, on est ok, on est d'accord là-dessus. Mais la régression elle-même, pour quelqu'un, pour ceux qui nous regardent et qui n'en ont jamais fait, comment ça se passe? Est-ce qu'ils s'allongent sur un divan? Oui. Est-ce que, voilà. Hein? Ils sont allongés. Pas tout le temps, mais on va dire 90% des cas. Sans allonger, c'est une simple relaxation, en fait. Et après, en fait, moi, et ce n'est que ça, j'ai envie de dire, vous imaginez un chemin qui vous amène vers... Voilà. Je propose, en fait, un scénario. Et la personne suit ou ne suit pas le scénario. Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont... ces fameuses résistances à l'hypnose. Mais en fait, qui vont pas y aller, mais c'est parce que ça, en général, c'est que ça parle d'autre chose, en fait, c'est juste ça. Et en fait, il déroule le scénario, et en fait, on déroule son propre film. On déroule son propre film. Même là, je peux fermer les yeux et voir un bébé in utero. C'est possible aussi. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'en posant les questions, bah, ce bébé in utero, il ne va pas se sentir comme tous les bébés in utero, par exemple. D'accord. C'est juste ça. Alors, moi, je te dis franchement, on va faire en direct. Donc, une relaxation du corps. Une sensation de pesanteur. Ton corps est lourd. Ça fait très hypnose. Sensation de chaleur, parce que, en fait, quand tu es relaxé, tu perds de la chaleur. Donc, tu remets un peu de chaleur. Et là, vous imaginez un chemin. En fait, après une régression, par exemple, sur une difficulté de l'heure actuelle, fait réactiver un moment, ok, vous pensez à la dernière fois où vous avez eu cette difficulté, avec vraiment, donc je reprends les sensations de nausée, d'étouffement, et cette sensation d'être incomprise, donc je réveille la blessure, et en fait c'est ça qui va être, c'est la blessure, le guide en fait, ok, maintenant vous allez chercher
vous laissez votre inconscient remonter à un souvenir beaucoup plus ancien qui porte cette même empreinte. Et là, la personne dit, bah voilà, j'ai 12 ans, je suis au caté, il y a un enfant à côté de moi qui vient de dire que j'étais un sale petit... Voilà, voilà, un sale con, ok. Devant tout le monde, je me suis sentie rejetée, ok. Et après, on va chercher une blessure, de l'humiliation, blessure encore ça, plus ouais. ancienne. Rejet, là. D'accord. Okay. Il l'a vécu comme un rejet. Mais par contre, toi, tu peux l'interpréter comme une humiliation. C'est pour ça qu'il faut être hyper précis avec la personne. C'est son vécu à elle. Et c'est unique. Et là, à ce moment-là, voilà, et tu vois jusqu'où l'inconscient remonte. Des fois, je vais, par contre, il y a d'autres sessions où je dis, bon, là, c'est métaphorique, et une spirale de lumière va t'emmener jusqu'à une utero, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et en général, quand ils disent, c'est tout noir, c'est bon. Je vois rien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est normal, tout va bien. T'as c'est pas ça. Perdu les Moi, yeux. Je sais derrière. Je... Oui, oui. Ils sont en formation. C'est rouge. C'est ça. Donc ça, c'est entre guillemets le tronc commun lorsque tu amènes les personnes jusqu'à la vie in utero. Il y a c'est tout noir. C'est assez souvent, c'est récurrent. C'est assez fréquent en fait. L'idée, c'est en fait comme un bébé, c'est opaque. C'est opaque. Alors il y en a qui ont un peu du rouge parce qu'il doit y avoir une lumière, il doit y avoir un spot dans la salle à manger. Il y en a, ça va être noir. Il y en a, ça va être étouffant. Donc la fameuse crise d'angoisse, elle était trop grande par rapport au bassin de sa mère. Donc, à un moment, elle était trop grande. Ouais, elle se sentait l'étroit. Ouais. Forcément. Voilà. Donc, ça donne des personnes qui peuvent être claustrophobes ou des choses comme ça. Et vraiment, parce que ça, c'est hyper important, parce qu'on réveille la blessure, mais l'idée, c'est d'aller la transformer, c'est-à-dire de en fait, proposer un autre point de vue. On ne change pas le passé, on change juste le point de vue sur l'expérience. Un autre point de vue où, maintenant qu'on fait réinvestir sa partie d'adulte, en fait, l'adulte que l'on est va pouvoir prendre soin de l'enfant, apporter les mots que l'enfant n'a pas eu. Et en fait, à partir de là, on transforme l'expérience. Et c'est toujours la vie qui montre si oui ou non, on a dépassé cette difficulté derrière, initiale. Oui. D'accord. C'est le fait d'être confronté à la vie. Si vous ne rencontrez plus, je ne sais pas, moi, le pervers narcissique, c'est qu'a priori, c'est bon. Oui, en général, oui. La vérification, c'est n'allez pas vérifier en essayant de trouver un pervers narcissique, s'il vous plaît. Ah non, j'ai plus envie. Ah bon, c'est réglé. Il y a une question là. Audrey, est-ce que vous faites régression à distance? Alors, la régression. Oui, distance. Oui, je fais. Après, ça va être... comment dire, après, c'est tout... c'est pour ça que j'aime pas... en fait, effectivement, j'ai beaucoup de méthodes. Hein, je travaille avec beaucoup de méthodes. Et j'aime pas les prendre, comment dire, individuellement, parce que, en fait, c'est un tout. Ça va être dans la relation aussi, parce qu'il peut jouer tellement de choses. Dernièrement, j'ai eu une personne qui... Enfin, j'avais partir en régression à distance, justement, c'est pour ça que je pense à ça. Et la personne, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, sa blessure, c'était quoi? Que ça fonctionne pas? Que moi, je sais pas faire? Et alors, c'est une personne qui s'est développée et elle fait alors pour résumer, choix de métier, mais elle a pas de diplôme, par exemple. D'accord. Tu vois? D'accord. Alors, qu'on résume, hein, tu as une boîte à outils. Et forcément, s'il y a besoin de dévisser quelque chose, tu ne vas pas sortir une clé à molette. C'est ça que tu es en train de dire. Donc tu vas adapter selon le cas de figure. Je regarde en fait quel est avant l'endroit où je dois utiliser ma clé à molette. Parce qu'en fait, d'avoir des outils, c'est bien, mais si. Je peux me faire la petite histoire? Ah, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Petite histoire. Voilà. Il y a un paquebot. Et le paquebot, il est en panne. Et ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Ils font venir un mec qui a un petit marteau. Il arrive dans le paquebot et tout, il regarde, il observe, il prend le temps et tout, et d'un coup, il sort son petit marteau et il fait pouf. Et le paquebot, il repart. Le capitaine, hyper merci. Merci, merci, merci à vous et tout. Vous m'envoyez la facture, oui, vous inquiétez pas. Coup de marteau. Alors donc la facture s'élève à 100 000 euros. Coup de marteau, 0,90 centimes. Et tout le reste, c'est où mettre le coup de marteau. C'est ça. C'est ça, c'est là toute l'expertise en fait. C'est pour ça que, expertise, j'y travaille petit à petit. L'expérience permet de faire l'expertise, mais... Mais savoir où donner le coup de marteau. C'est pour ça que, je peux dire, oui, je fais de l'hypnose, oui, je fais de l'analyse transactionnelle, mais en fait, si je fais ça dans le vide... Ça sert à rien.
tu donnes le coup de marteau là où il faut. Et chaque paquebot va avoir une panne différente. Voilà, et ça sera pas, tu vas pas taper dans la même tuyauterie, voilà, au même endroit. Hein, tu vas analyser d'abord quel est le type de moteur, diesel, essence, électrique, et puis voir ce qui va, ce qui va pas. On l'a bien compris. Alors, Jill qui demande, qui dit, quand les gens ont des trous noirs sur une période de leur vie, de sa vie, oui, et que justement ce trou noir tombe entre 4 et 7 ans, on peut arriver à revoir des souvenirs de cette période. Ah, tiens, voilà. On parlait de supraconscience tout à l'heure, tu disais que l'inconscient enregistre tout. Donc on peut aller à la recherche de cet inconscient et dire, bon, consciemment, tu ne te souviens pas de cette période, est-ce que l'inconscient, monsieur inconscient, toi, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? C'est ça, en fait, qu'elle demande. Hein. En fait, est-ce que tu peux nous raconter quelque chose s'il y a quelque chose d'intéressant à y trouver? En fait, moi, j'emmène l'inconscient, s'il veut bien y aller, dans cette période, s'il y a quelque chose, s'il y a une matière. Mm-hmm. Parce que, par exemple, moi, j'ai déjà eu des personnes qui n'ont pas de souvenirs avant 10 ans. Et effectivement, 10 ans ou 7 ans. Ou... Mm. Et en fait, si. Mm. Dans les régressions, en fait, ils sont allés plus loin. Alors, c'est quoi cette protection ? Moi, par exemple, c'est mon cas. Hein. Je me souviens de pas grand-chose avant 10 ans. Donc, tout ce que j'ai pu zapper, c'est quoi ? Quel est le Ce qui est dit, génériquement, voilà, c'est qu'il y a une protection, en fait. Voilà, c'est pour éviter de péter. Ouais, c'est pour éviter le fameux pétage de plomb. C'est sécurité. Il a mis une sécurité. Après, la question, c'est toujours, on vient re-questionner l'inconscient. Hmm? Est-ce que tu as encore besoin de mettre cette sécurité ou est-ce que maintenant, tu sais faire autrement ? Et souvent, il sait faire autrement, en fait, à l'heure actuelle. C'est juste après, c'est comment je t'accompagne pour savoir faire autrement. Parce que si je ne te parle toujours pas allemand, tu ne vas pas me comprendre. Oui, je comprends. Je comprends. Voilà, donc on voit ici au niveau... On a vu, pour l'instant, la spiritualité, elle se situe où, toi, de ton point de vue ? Est-ce qu'elle, c'est au niveau du choix de l'âme, de prendre le scénario et les parents qu'il faut pour aller régler ? Est-ce que la spiritualité se situe là, ou elle est ailleurs ? En fait, moi, quand j'ai proposé ce sujet, c'est déjà, comme je disais, faire mon coming out spirituel. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel je suis sensible, qui se pose fréquemment, que finalement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hyper réceptifs, que même avant moi ils disaient « Oui, mais vous savez, moi, le hasard, ça tombe bien, moi non plus, le hasard, j'y crois pas deux secondes. » Et en fait, c'est aussi à travers mon parcours, c'est que moi, ça m'est plus aidant de savoir que quelque chose qui est une épreuve, en fait, est finalement un pont, un passage pour aller vers quelque chose, que quelque chose qui m'enquiquine dans ma life. En fait, c'est plus facile pour moi de me poser dans de l'acceptation, parce que la vie, c'est pas tout le temps hyper cool. Hein. C'est juste la traversée. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas du tout un long fleuve tranquille, c'est juste que nous, en tant que bateau sur le fleuve, on la traverse avec le plus de fluidité possible. Pour moi, c'est ça. Et en fait, c'est comment à chaque fois on continue à travailler sur son bateau pour qu'il soit vraiment en fluidité. Voilà, c'est vraiment ça le job. Donc en fait, c'est juste que moi-même, quand j'ai des difficultés, quand je vais commencer à, je sais pas, tourner une idée en boucle, d'aller voir quel est, ça je remercie Anne-Solène, d'aller voir quel est le cadeau en fait. Pourquoi je m'amuse à revivre ça alors que, en plus moi j'ai... beaucoup de gens, hein. On a déjà passé un peu plein de fois ce cap-là. Et genre dernièrement, je me faisais, cette semaine, hein, petite crise de dévalorisation sur mon métier. Ah d'accord. Voilà, en plein de doutes. Je sais pas faire en fait, je sais pas du tout faire. Et en fait, ok, qu'est-ce que j'ai encore à densifier dans mon être pour que je ne sois plus confrontée comme ça aux doutes ? Est-ce que ce n'est pas ma foi, par hasard, hein ? Ce qui paraît, c'est une petite pièce à double facette. Oui. Voilà, et ok, ça me re-questionne encore sur moi. Et du coup, ça me permet de faire, ok, c'est peut-être ça, ou pas. En tout cas, moi, ça m'aide. Voilà, c'est toujours, est-ce que ça vous est utile ou non ? Alors, on parlait tout à l'heure de reliance, il y a aussi cette histoire qu'on est tous connectés, et en allant mieux, chacun travaille aussi pour l'intérêt global. Mmh. Hein, ça, c'est une réalité. On parle aussi d'épigénétie. L'épigénétie n'est pas aussi pour la science aujourd'hui une façon déguisée de parler de spiritualité, plutôt que de mettre ça sur le dos de l'hérédité. On voit que ça va au-delà. Hein. Dans l'épigénétique, dans les mitochondries qui se sont transmises entre mère et fille. Est-ce que aujourd'hui, où finalement on met tout sous la bannière du quantique, est-ce que le quantique n'est pas en train de parler finalement de la spiritualité tout simplement ?
Ah oui, bah oui, et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois qu'il y a un livre sur le développement personnel ou sur le chamanisme, on va avoir le moment où, expliqué par la physique quantique. Mmh. Effectivement, la physique quantique, c'est quelque chose de tellement impensable pour nous que... pour ce chapeau à ceux qui essayent de le faire. En fait, tu sens que la science et l'ésotérisme sont en train d'être à la croisée des mondes aujourd'hui pour se réconcilier. Bah, en tout cas, je l'espère. Mmh. Parce que c'est plus en négociant qu'on avance que quand on se fait... En dualité, ouais. En dualité, ça, c'est sûr, même si bah, ça pousse justement... la dualité peut aussi être utile, hein, dans le sens... Par moment, oui. Grandir, mais c'est bien de passer par d'autres étapes, ça, c'est sûr. Alors, on va découvrir ton site internet. Wow. Pour ceux qui veulent, en fait, découvrir... Voilà, c'est pas... Non, c'est pas le cas. C'est pas le mien. C'est pas je le vôtre. Je fais de la numérologie depuis 3 secondes. Non, je suis désolé. En tout cas, le lien est dans la description. Ah non, il est trop beau, mon site. Voilà, c'est vrai. En plus, il est très bien. C'est vrai qu'il est très bien. On va aller le voir. Alors, attends, c'est pas là. Je vais peut-être aller le chercher. De ce côté-là. Hop. On va faire comme ça. Non, j'ai pas. Je peux pas. Bon, ben, vous l'avez dans la description. Vous irez voir, en fait, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Ben, tu connais l'adresse du lien ? Ouais, je peux la taper si tu veux. Alors, on va faire Tiens, ça. Tu mets Audrey Georges au bon là et tu on me va aller là. Là, pour l'instant, vous aviez, en fait, ici. Alors, je t'en prie. Oh, je te laisse taper. Allez. Par cœur. Voilà. Petit à petit. C'est du vrai live, hein, du direct, là. Hein. Ah, là, on peut pas faire mieux. Hein. Mm. C'est le moment où on perd tout le monde. Parce qu'en plus, je suis pas sûre de connaître par cœur. .com. Allez, on teste. On voit. Qu'est-ce que ça donne, ici? Tududum. Allez. Bravo à tous ceux qui avaient suivi jusqu'à présent. Comment connaître son entité sans connaître sa famille, son entité. C'est joli lapsus. Je pense que c'est un lapsus. Comment connaître son entité sans connaître sa famille. C'est Chantal qui dit ça. Car mes parents n'ont pas connu leurs parents. Alors. Donc je suppose que c'est identité plutôt que entité. Mais en fait ça parle déjà de son identité. Si mes parents n'ont pas connu leurs parents, ça parle déjà de mon identité. Enfin, là, il peut y avoir de l'abandon, il peut y avoir du manque, il peut y avoir plein de choses. Ah, c'est moi. Alors, c'est avec ici. Avec ma tête, mais pas en profil. Je viens de découvrir, là, ici, hop, donc, là, comme ça. Allez, on va peut-être le découvrir, là, ici, si on prend, c'est peut-être plutôt là. Que ça va être... Alors, c'est un mal fou. On va le créer au fur et à mesure. Hop. Désolé pour l'attente. Du vrai live. On pourra même pas le mettre au bêtisier, c'est même pas marrant. Non, c'est sûr. On rigole même pas avec tout ça. Voilà, ici, hop. On va y arriver. Voilà. Et là, je vais mettre l'adresse. Ou pas. Voilà. Voilà. Est-ce que ça marche? Voilà. Ta-da. On y arrive. C'est bien. Voilà. Là, c'est le site d'Audrey. Désolé pour cette attente. Mais on découvre enfin ton site où là, on peut voir... où est-ce que tu te situes? Ton cabinet se trouve physiquement, pour ceux qui ne font pas à distance, à Aubenas, c'est dans l'Ardèche. En Ardèche. Dans le département 07. Tout à fait. On peut découvrir. Alors voilà. Merci à Régis, hein, qui a mis le lien en fait dans les commentaires. Merci Régis. Voilà. Elle vient de le mettre ici. Pour ceux, si vous voulez le voir,
on va revisiter un petit peu. Alors là, ici, on voit un interview que tu avais faite sur la page d'accueil. Oui. Il y a directement le contact. Ici, on voit l'email. Mmh. Hein, on peut t'appeler aussi. Il y a ton numéro de téléphone en clair. Et puis, là, on voit mes méthodes. On peut découvrir, en fait, ce que tu proposes. Détail, en fait, hein. La psychogénéalogie que tu proposes. Oui. On en a parlé un petit peu aussi. Là, on gère... La psychogénéalogie, c'est on gère les ancêtres, en fait, là. On les gère, oui. On les gère, oui, façon de parler. C'est... Qu'est-ce qu'on peut leur dire, là ? C'est... Le transgénérationnel est résolu, là, à ce moment-là. La psychogénéalogie permet d'aller voir... Qu'est-ce qu'on porte de certains ancêtres qu'il est bon de se libérer parce que c'est lourd. Et sachant que c'est toujours l'idée, hein, on part vraiment de la problématique de la personne, parce que c'est le fameux, une vie c'est long, alors là, si en plus de ça on fait la vie de tout le monde, ça commence à faire vraiment vraiment très long. Donc c'est vraiment toujours en lien avec la difficulté de la personne. Si on reprend Sylvia, hein, je crois qu'il nous parlait de on cherche une énergie de victime, bah on va chercher une, qu'est-ce qui pourrait parler de ça. Est-ce qu'il y a eu, comme je disais, des agressions? Est-ce qu'il y a eu des spoliations? Ça peut faire des victimes, ça aussi. Hein, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été abandonné? Quelqu'un qui a été abandonné, c'est une victime aussi. Alors, la sophrologie analytique et l'hypnose spirituelle. Donc là aussi, la sophrologie, c'est une partie que je n'ai pas encore traitée, mais un jour, on en parlera certainement. Donc la sophrologie, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? La sophrologie, on l'a beaucoup exposé en fait avec les régressions tout à l'heure, parce que c'est avec cet outil-là, mais... Moi, en fait, comment j'ai appris la sophrologie et l'hypnose, pour moi, ces deux méthodes se ressemblent beaucoup. En fait, c'est juste des portes d'entrée différentes. D'accord. Enfin, moi, j'appelle ça maintenant les états de conscience modifiés. Progéscence, qu'est-ce que c'est? Les naissances, les empreintes de naissance. D'accord. Ces fameux 27 mois autour de la naissance qui sont l'EFT. Et l'EFT, ah oui. Emotional Freedom Technique. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est un peu... Je veux dire, on en parlait un peu hors caméra, juste avant cette interview, lorsqu'on on vient de se rencontrer, vraiment. Hein. Tout à l'heure, t'es venu quoi, 20 minutes avant, le direct? Non, j'étais à l'heure 30. Oui. C'est vrai. Et donc, l'EFT, c'est quoi? C'est un peu le rescue, le fait de gérer, en fait, les... C'est quoi? En fait, moi, ce que j'aime bien avec l'EFT, c'est... En fait, elle va vraiment permettre... moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour les idées obsessionnelles. J'avais une personne, par exemple, qui avait souvent envie de vomir. Donc, ça porte un nom, ça s'appelle l'hémétophobie, pour ceux qui aiment les termes compliqués. Donc, c'est la peur de vomir. Sauf que, du coup, comme ils ont peur de vomir, ils pensent à l'idée qu'ils vont vomir. Donc, vu qu'ils pensent à l'idée qu'ils vont vomir... D'accord. Donc, c'est le... vraiment... Oula. La pensée, voilà. C'est pas agréable. Voilà. En fait, c'est ça. C'est ça qui est hyper important, la démonstration en œuvre. C'est que ce qu'on pense met en action des choses. Voilà. Hein, la pensée est créatrice. Voilà. C'est pour tous ceux qui ont un doute. Mais non, mais voilà. Et en fait, vu qu'elle pensait à ça, l'EFT, ce qui est bien, c'est qu'en activant des points... En fait, ça vient tranquilliser. D'accord. Donc, en activant quelque chose de négatif, je vais vomir. Si j'active en même temps les points, en fait, ça va comme déprogrammer, justement, ou plutôt reprogrammer au niveau du cerveau. Et en gros, ça dit, notre pensée, elle dit, je vais vomir, et nos doigts disent, et c'est tranquille. Et ça prend plus de place que en fait, la pensée. Alors, j'en profite en même temps, hein, un peu d'autopromo ne fera pas de mal. Si vous allez sur le site desstudios.fr, dans la rubrique Le Cercle des Connaissances, il y a une initiation en vidéo avec Valérie Piron en EFT. C'est une initiation, reste encore une fois. C'est en fait une sorte de, je dois dire, la pharmacie de la bobologie d'urgence, hein, qui va vous permettre, en toute autonomie, de traiter comme ça des moments de panique. Hein, ça peut être le cas, ça peut être... quand on est déstabilisé ou autre, on peut notamment, par exemple, se pincer les doigts, hein, pour éviter de stresser. Ouais, c'est ça, l'EFT. Voilà. Moi, en fait, j'utilise beaucoup la sophrologie. En fait, la personne va réapprendre à respirer de manière abdominale et après, on va créer un conditionnement qui fait qu'elle va avoir un signe-signal, c'est-à-dire un petit bouton qui va lui permettre d'enclencher directement une respiration profonde. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien... Ça, c'est bien. Il faut savoir qu'en EFT, on corrige aussi les... Voilà, merci à Régis aussi qui vient de mettre aussi le lien du Cercle des Connaissances directement dans le chat. Donc, si vous voulez acquérir la formation, elle est aussi en promotion actuellement. Et pour une entrée en matière et pour faire
plus ample connaissance avec l'EFT, c'est un bon moyen. Ensuite, il est évident que pour les grosses phobies, il faut mieux se faire accompagner. On a, même en EFT, parce que j'ai appris qu'on peut, régler, par exemple, des problématiques de l'arachnophobie, ça se Moi, je travaille avec la PNL, mais de toute façon, hein, c'est... Enfin, je... Il n'y a pas de... Comment dire... Moi, ce que j'ai été formée en multiréférentiel, donc ça veut dire avec plusieurs méthodes psychothérapeutiques. Et ce que j'ai vraiment compris, c'est juste des portes d'entrée différentes. Et, en fait, l'une va plus ressembler à quelqu'un, et l'autre plus à une autre personne. Mais c'est pas une est plus efficace, et puis après, c'est tellement le praticien, la relation. Enfin, il y a tellement de curseurs et de paramètres que... Voilà, alors j'en profite pour... dire aussi que dans les cercles de connaissances, il n'y a pas que l'EFT, vous pouvez découvrir, je ferai un teaser dans très peu de temps, en fait, pour vous montrer, en fait, ce que l'école propose, hein. Le cercle de connaissances, il y a aussi des formations gratuites, connaître les trois gardiens, apprendre les archétypes masculins, il y a apprendre la méditation aussi, chemin universel avec le tarot de Marseille, s'initier à l'EFT, on l'a vu, l'énéagramme, c'est quelque chose, un très bon outil de connaissance de soi, la géobiologie, le feng shui en 13 heures de cours avec Pierre-Alexandre Nicolas, formation et alchimie, alchimie et voix intérieure avec Pascal Boucher, 9 heures de cours. Et puis, l'initiation à le décodage, en fait, pour vous pourrez en fait, apprendre à justement interpréter votre propre thème astral et ceux de vos proches avec Dominique Humaine. C'est la toute dernière formation fraîchement mise en ligne. Je ferai certainement une émission spécialement pour cela, pour vous parler de toutes ces formations. Voilà. Ben, on a fait connaissance avec toi, Audrey, pour on voit que tout ce que tu proposes, il y a vraiment dans ta besace beaucoup d'outils que tu vas adapter à chaque cas particulier, hein, et pouvoir être pouvoir les combiner entre eux, ça c'est aussi ta spécificité. Hein, on va dire que là il y a comment ? La marmite. Oui, la marmite entre autres qui permet de faire la bonne soupe, hein, c'est dans les bonnes marmites qu'on fait les bonnes soupes, mais c'est justement pour révéler les problématiques de manière plus efficace. Est-ce que tu es en tant que thérapeute plutôt partisane pour les thérapies brèves ? Est-ce que c'est quelque chose Moi, je suis partie des thérapies brèves, ouais. Ouais, tu préfères quand ça va vite et bien, quoi. Après, c'est vraiment selon les personnes. Enfin, moi, j'ai un parcours. J'ai fait 2 ans de gestalt. Après, j'ai fait 1 an avec la psychogénéalogie. Puis après, je me suis tournée vers un travail sur moi plus énergétique et spirituel. Enfin, et je suis encore en parcours, donc finalement, je fais des thérapies brèves dans une thérapie longue. Enfin, oui. Et comme un musicien n'a jamais fini d'apprendre son instrument. Puis après, c'est aussi de par mon métier, et parce que je pense que le premier outil que j'ai, c'est moi. En fait, je pense surtout ça. Donc, j'essaye d'être et plus proche de mon être pour être plus proche des autres. Ouais. Et traverser ce que tu as traversé pour pouvoir aider les autres à traverser ce qu'ils ont traverser aussi. Et ça apporte surtout beaucoup d'humilité et d'une compréhension de là où on est, parce que quand quelqu'un est bloqué, je peux que comprendre, hein. J'ai été bloquée des années sur certaines difficultés, moi j'avais des traits dépressifs, je sais par quoi ils sont... Quels sont le processus et les étapes. Passés, quoi. Donc, on ne va pas mettre une fameuse est-ce que thérapie brève ou pas. Des fois, on ne va pas mettre un énorme feu sous une petite casserole. Quoi. Ce serait pas respecter la petite casserole. On va terminer et conclure cette émission avec quelque chose qui va peut-être... Les analogies commencent à être très étranges. Bravo aux personnes qui survivent. Je vais te demander quelque chose que je demande de temps en temps à les invités. Ouais, dessine-moi un mouton. Vraiment un mouton ? Ah, si tu veux. Comme tu veux. Je dessine ce que je veux ? Ce que tu veux, allez, si tu veux. Fais-toi plaisir. Alors, je dessine ce que je veux. Alors, je vais dessiner... Je vous fais avec les bruits, hein, sinon c'est pas marrant. Je t'en prie. Il a comme un cœur, hein, tu vois, comme ça. Un peu bizarre. Là, on est dans un gentil tigre de type Hello Kitty, là, hein, presque. Ah, là, il commence à être un peu plus menaçant. Il fait carrément flipper. Voilà, le tigre d'Audrey, Georges.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec vous nous cette soirée. Vous décoderez, hein, vous décoderez, il ne faut pas déconner. Tiens, allez, on va le voir, on voit ici en direct. Voilà. Amusez-vous à décoder. En tout cas, on vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, cliquez sur le lien de la description. Hein. Je le remontre encore ici, le site internet d'Audrey Georges. Ça, c'est le bon, cette fois-ci. Voilà, j'ai pris le temps de... Il y a eu un moment de flottement, mais désolé pour cela, mais au moins, vous l'avez vu. On est allé en profondeur à l'intérieur pour voir tous les outils. Je pense qu'on n'a pas vu tous les outils non plus. Il y en a d'autres derrière mon cabinet que tu révéleras pour ceux qui viendront à ta rencontre. Hein, on peut te voir lors des salons aussi. Tu étais au salon d'Aubenas, où les personnes peuvent venir à ta rencontre. Est-ce qu'il y a un prochain salon actuellement ou pas ? Pour le moment, au niveau du calendrier. Si c'est le cas, tu en parleras de toute façon sur ton site. J'ai fait tous mes ateliers, tout seul. D'accord. Ouais. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être revenu au sein des studios pour parler de ta pratique. On voit qu'effectivement, tu as cette facilité à... On le sent vraiment, hein, d'aider les personnes et tu t'es entouré d'outils vraiment puissants pour le faire. Ça, c'est bien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée à vous tous. Merci. Au revoir.